Bonsoir Valerio, aux couleurs de la Bonsoir! Franco-Roumanie. Ah. Allez les bleus! Allez les bleus! Ouais, bon, je suis vraiment désolé pour ce qui va se passer ce soir. Chez Bob, c'est pas de cul, pas de foot. Mais ce soir, nous, ça sera du foot et Et du peut-être cul! du Bah attends, cul. si, je t'assure, je suis là pour parler de cul s'il faut. Ben voilà, la transition est toute faite avec Claire À Thomas. poil, Maintenant, vous à pouvez poil. utiliser ce que vous Non, c'est voulez. Valerio à poil, parce qu'il l'a dit. Oui, coucou. Non, mais Alors, j'assume. Attends, non, attends, on enregistre. J'ai dit. je Non, mais pas de souci, attends, je le dis moi-même. dénonce. J'ai dit que si la France perdait contre la Roumanie, je me mettais tout nu. Voilà. Vas-y. Et on a failli se Voilà. prendre un but au bout de 2 minutes de jeu. Yeah! Parce que bon, comme il est pour la France, bah moi je vais être pour la Roumanie, quoi. Il faut bien un opposé. D'accord. Et tu te mets toute nue si la Roumanie perd, c'est ça? Ah ouais. Non! Ah si, si. Ah bah non! Ah bah non, ah non les Et si mecs, ça fait mal tout le monde, je toi qui fais tout. peux vous montrer mes pieds si vous voulez. Très jolis. Pour les fétichistes du pied, des pieds, ça peut le faire, hein. Je suis un petit 35-36, très Eh sexy. ben voilà, bon, écoute, si la Roumanie perd, on verra ton pied tout nu. Ça Voilà. marche. Bon, en tout cas, voilà, ce soir, ça va être une émission un petit peu bizarre avec l'homme sur le front jaune qui va s'exciter. Je vais essayer de le muter, de lui couper le micro hein, s'il fait trop de bruit, mais bon, comme il a autant de pouvoir que moi, il va pouvoir le remettre. Donc, ça va être terrible. Eh bien, ce soir, donc, on reçoit Claire Thomas qui va nous accompagner pendant toute la soirée sur l'émission. Donc, vous êtes sur Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Il n'y a pas de F dans Miasme, Valerio, comme football. Et donc, c'est le numéro 14. On va étudier ensemble l'actu de la semaine du 13 au 19 juin. Donc, on verra l'actualité des Web TV, on verra l'agenda aussi culturel. On en profitera pour inviter quelqu'un que vous connaissez peut-être et qui est passé chez Claire Thomas et aussi sur Nura TV. C'est Monsieur Quentin Leplat, donc, qui va venir nous parler de son film documentaire qui sort dimanche, donc, qui sort aujourd'hui. Oui, c'est ridicule de dire aujourd'hui, sachant que tout le monde sait que Valerio est en train de faire le zouave sur un match de Oui, vendredi. je crois aussi. Suis en train de m'en rendre compte. Donc on va arrêter d'essayer de faire du faux Très direct. bien là. Voilà. Et on recevra aussi Dominique Vandenberg, si j'ai pas écorché son nom. Et enfin, José Robichaud pour la musique de l'âme. Voilà. Vous verrez, c'est tout un programme. Eh bien, donc, ce soir, alors, jusqu'à maintenant, on avait déjà reçu Claire Thomas pour venir nous présenter CTVM TV. Et ce soir, elle est là pour venir nous aider à chroniquer cette émission. Et pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être encore pas, Claire, Oui. qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi en deux mots? Wow, deux mots, En médium, vie mots plus. antérieure. Voilà. Non, si j'ai droit à plus de mots, là j'ai fait trois mots déjà. Grosso modo, moi mon parcours il est très simple. Je suis médium depuis toute petite, mais j'étais aussi passionnée, un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit, de la radio. Donc du coup, j'ai commencé ma vie dans la radio. Hein, très vite, j'ai fait partie des premières web radios françaises. À l'époque, il n'y en avait que trois. Donc la web radio, déjà le web était quelque chose, un support que j'aimais bien. Ensuite, j'ai travaillé pour des grandes radios, RTL, Fun Radio. Bon, j'étais responsable grand compte de ces radios au niveau technique. Voilà, je travaillais pour une société qui s'appelle A2i. Et ensuite, bah, j'ai décidé, à un moment, je suis arrivée à Énergie, responsable des web radios. Tu vois, le truc que tu kiffes, tu crées 176 web radios, tu te dis génial. Et à un moment, tu as fait tout ça et tu te dis putain, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire parce que j'ai l'impression que je suis pas utile. Et puis, comme je savais depuis toute petite qu'un jour j'allais faire mon métier de la médiumnité et que mes copines m'ont dit, mais Claire, faut y aller là, allô, taquet. J'avais tellement de monde que j'ai dû faire un choix entre la radio et la médiumité. Alors du coup, à un moment, j'ai fait la médiumité. Je suis super heureuse et super épanouie. Mais quand on tombe dans le média de la web radio, de la web TV, eh ben, on a envie de continuer dedans. Et du coup, à partir du 1er février 2016, j'ai créé une web TV qui s'appelle CTVM TV, qui veut dire en fait les clés terrestres du vivre mieux. Voilà. Et pas Claire Thomas, c'est pas hein, La les personne. initiales. Non, mais non, mais non, non, ce ne sont pas les initiales. C'est les clés terrestres du vivre mieux. On aurait pu penser que c'était mes initiales, mais en fait, c'était suite. Et je te l'ai déjà dit, mais pour ceux qui me Oui. découvrent, il y a une association qui s'appelle les clés
du bien vivre à Troyes, pour lequel je fais des conférences d'ailleurs, et Sylvie qui est animatrice Planète fait partie de cette association. Je trouvais que le titre était bien. Alors ouais, c'est vrai qu'on peut dire, Claire, t'as pas été chercher très loin. J'avoue, là je peux me dire, c'est vrai, mais du bien vivre, pour moi, c'était les clés terrestres du vivre mieux, me paraissait plus parlant. Donc c'est devenu CTVM TV. Voilà. D'accord. Bon, ben écoute, au moins ça. J'espère que c'est clair une bonne fois pour toutes et que vous arrêterez de dire que ce sont les initiales de Claire Thomas. En même temps, okay. Claire Thomas, c'est vrai que c'est mes initiales, hein, mais voilà, c'est. En même temps, c'est vrai, mais c'est pas le but. C'était pas le but en fait. Pas le but recherché. Et ta médiumnité, du coup, toi, tu l'as découverte quand tu étais toute petite, tout enfant. Quand j'avais 6 ans. C'est un don maternel, de grand maternel. Comment ça s'est passé? Ça vient de ma grand-mère en fait maternelle qui avait ce don-là. Et en fait, ma grand-mère maternelle racontait tout à ma mère, et ma mère disait toujours non, c'est déconné et tout. Alors que tout se mettait en place. Et puis, à l'âge de mes 12 ans, si tu veux, j'ai eu un accident. Je savais que j'allais avoir cet accident. Donc, j'ai dit à mes parents, bon, mais je vais avoir un accident. Mais non, c'est bon, premier jour de 6e. En plus, tu sais, t'es un peu stressée. Tu dois aller prendre le bus pour aller à ton école, à ton collège. Et bien, ce premier jour de 6e, je l'ai passé à l'hôpital parce que, évidemment, j'ai eu cet accident. Je me suis fait renverser par une voiture. Et heureusement, là-haut, ils m'ont dit une chose très simple. Recule d'un pas. J'ai reculé d'un pas. Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit si tu avais couru, tu serais mort parce que, bien évidemment, la voiture ne s'est pas du tout arrêtée. Et du coup, j'ai reculé d'un pas et je me suis pris juste le rétro. Du coup, là, ma mère m'a vraiment prise au sérieux et elle m'a décidé de m'acheter un jeu de cartes. Là, je mets 12 ans pour dire bon, bah voilà. D'accord. Bon, je vais t'aider. Voilà. Mes parents m'ont soutenu, j'ai eu beaucoup de chance. Et la question toute bête là qui me vient, ouais. Vu que t'as des dons, après je sais pas jusqu'où ça peut aller, ce genre de dons. Oui. Est-ce que tu n'as jamais essayé de retrouver la personne qui t'avait, entre guillemets, fauché? Alors, en fait, le monsieur a été retrouvé, parce que figure-toi qu'il s'est arrêté bien plus loin, et qu'il y a eu un procès par rapport à ça. Voilà. D'accord. Donc, tu n'as pas eu besoin de le chercher. Non. Il a été retrouvé tout seul. Oui. Ok. Putain, le poteau. Poteau pourquoi? Pour la France ou pour la Roumanie? Pour la France. Mais ils n'ont pas de chance, les Français. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils vont pas y arriver, tu vas devoir te mettre à poil. T'aurais pas dû dire que tu devais mettre à poil. Il y a les anges du foot qui sont là, qui sont présents, qui sont français. Ouais, les dieux du stade. Les anges du foot, les dieux du stade. Ah tiens, est-ce qu'il y a des anges du foot? Est-ce qu'il y a des anges gardiens? Pour les matchs, parce que comme il y a des équipes... Pour le sport. Pour le comment sport, ça se passe? Oui, et je pourrais même vous raconter une histoire de fou qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Mon chéri regardait Real Madrid de Atlético. Il m'avait dit, ouais, qu'est-ce que tu vois? Alors, hier, moi, je lui avais dit, ça serait le Real Madrid, c'est ça. Parce que moi, je suis pas du tout le foot, bien évidemment. Hein, et puis, le jour du match, j'ai fait, écoute, il y a des petits gris partout, là, sur le truc de foot. Real Madrid va gagner et tu verras qu'ils vont faire tous des erreurs, un truc de dingue là. Et il a eu que Griezmann qui a fait des fautes que jamais apparemment il faisait. Et puis Real Madrid a gagné. Donc est-ce qu'il y a des anges? Oui, mais il y a aussi pas que des anges parfois. Il y a aussi des petits gris. Voilà. Des petits gris sur le terrain. J'ai vu des petits gris sur le terrain. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y a de l'énergie et des rassemblements comme ça, forcément, ça amène toutes les énergies un peu éthériques et astrales et autres qui viennent se... Le public, c'est le 12e homme. Hein, ah ben oui. Ben oui. Tu vois, Valerio, finalement, la main de Thierry, je ne sais même plus comment il s'appelle, en 98, là, Thierry Henry. C'est peut-être un petit gris, finalement, qui... Tu lui as dit, mets ta main. Voilà, qui met ta main, ou qui a poussé juste un petit peu le ballon pour qu'il touche sa main. Voilà. C'est pas sa faute, hein, depuis le temps qu'on le dit. Ok. Et donc, allez, tiens, juste pour rire, ce soir, tu vois peut-être un résultat. Est-ce que tu vois Valerio à poil? C'est surtout ça la vraie question. Ouais, c'est ça la vraie question. Moi, franchement, le problème, c'est que va rentrer en compte mon ego qui va dire, mais oui, Valerio va être à poil. Donc, là, le gros dilemme est là. Donc, c'est faussé. C'est de suite voilà, faussé. Non, mais tu vas être déçu si tu me vois à poil. Mais pourquoi je serais déçu? Qu'est-ce t'en sais? En tout cas, moi, je suis sûr que ça nous ferait monter l'audimat fois 10 000. Ça, ouais, c'est... en plus, on pourra faire du tease dessus. Ah bah, clairement, un petit bout par petit bout. Ok. Ça va être dur de faire des petits bouts, ça sera que des gros. Ouais, forcément, on l'attendait, celle-là, c'était évident.
Bon, allez, on va attaquer. Du foot et du cul en moins de 10 minutes. Voilà. On va attaquer du coup, allez, la suite logique de notre émission. Donc, comme chaque semaine, eh bien, on va vous présenter l'actualité de miasme.com. Donc, on va passer par les news, l'agenda, le programme TV, un petit peu la presse, le film documentaire et le caca bébé rapidement. Alors, en news, qu'est-ce que nous avons de beau à vous raconter cette semaine? Alors, soit on peut vous parler de l'ancêtre du Hobbit, du drone Yang 184, ou de Trian, qui a été contraint de censurer sa pochette d'album La Belle Désenchantée. Non. Alors, allez, on parle de ça? Allez. Ah bah ouais, non, bah oui, bah, c'est ça dont il faut parler. Je t'explique tout ce qui s'est passé, toute l'histoire complète. Donc allez. Tu vois, Trian a mis sur son album une belle peinture, une belle reproduction d'un artiste breton, il me semble, qui s'appelle Georges Lacombe, qui expose d'ailleurs au Musée des Beaux-Arts de Quimper. Donc, c'est un couple enlacé, effectivement, ils sont nus, mais très honnêtement, il n'y a vraiment rien pour choquer même une nonne. Voilà, faut vraiment avoir l'idée mal placée. C'est plutôt même beau, moi, je trouve, comme présentation de ce couple. Voilà. Donc, le titre de l'album, c'était La Belle Enchantée. Et simplement, quand ils ont voulu sortir leur album sur Internet, eh bien, il y a des grands groupes qui gèrent ces albums. Ce sont des grands groupes américains. Mmh. Eh bien, les grands groupes américains ont dit « Ah non, 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 non. Vous ne pouvez pas corrompre le monde avec cette image de nu. Il va falloir l'habiller si vous voulez rester, si vous voulez vendre sur notre plateforme. » Donc, on pense que c'est la plateforme iTunes, hein, et ce genre de choses. Du coup, eh bien, voilà ce que ça a donné, la pochette de l'album. Voilà. Non. Et si. Ils ont dû rhabiller La Belle Enchantée, donc c'est pour ça que j'ai titré La Belle Désenchantée, malheureusement. Donc ils ont mis une sorte de... Bon, c'est joli aussi, hein, ils ont mis une sorte de petit bain. Mais, attends, mais là, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que le puritanisme américain... alors moi, je pense que c'est vrai qu'on a tendance à sexualiser tout. Hein. Il y a quelques années de ça, rappelez-vous, Atoll, les opticiens, on avait une nana quand même toute nue. Bon, à un moment, pour vendre des lunettes, trouve autre chose, quoi. Enfin, on n'est pas obligé de toujours vendre le corps. Mais là, c'est beau, c'est artistique. On est dans l'œuvre, on n'est pas dans le cul pour du cul. Donc, alors qu'elle pouvait me voir à poil. Mais ça se trouve, tes fesses sont aussi belles que cette jeune femme. Ouais, et ça fera quelque chose de très poétique. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ça pour te dire que de voir ça, je trouve que c'est... Enfin, même de se plier à ça, moi, je n'aurais pas fait. Je ne me serais pas pliée. J'aurais mis une pochette blanche, tu vois. Et, ouais. Et on aurait sur les autres... Parce que je trouve que c'est encore se plier à ce que demande Internet aujourd'hui. C'est-à-dire que et à côté de ça, il y a YouPorn qui fonctionne correctement. Enfin, à un moment. Ouais, c'est exactement ça. Et quand tu regardes des téléfilms comme Game of Thrones, oui. J'adore comme série. J'adore aussi. De cul toutes les 10 minutes. Il y a quand même de quoi s'affoler. Et puis les États-Unis, c'est quand même le pays de Larry Flint. Hein. Mais oui, YouPorn, c'est pas américain d'ailleurs. Si, YouPorn, oui, ça doit être sûrement américain. Et alors, je crois que j'avais entendu que là où on tourne le plus de films porno, c'était aux États-Unis. Enfin, j'avais entendu ça, alors est-ce que c'est vrai? Mais il me semble-t-il que c'est ce que j'avais entendu. Bah écoute, je serais pas étonné. Et est-ce que vous savez quel autre album a été interdit, censuré en France? Par contre, là, c'était en France. C'était un artiste de rock alternatif français qui avait fait une pochette d'album très avec un beau message derrière, même si en premier abord il pouvait choquer. Et ils avaient interdit d'être affichés en 4x3 dans le métro, etc. C'était il y a 5 ans. Est-ce que... Julien Doré? Non. Philippe Catherine?
Ouais, Philippe Catherine, oui, c'est pas bête. Ah, ça pourrait être avec Manger ma banane, mais non, c'est pas lui. Rock alternatif. Rock alternatif, pas connu. Ah, un chanteur très connu dont le prénom s'appelle Damien et on le connaît surtout. Damien Saez. Allez, c'était pour cette affiche d'album là. Je sais pas si. Mais si, je m'en rappelle. Si vous en rappelez. Voilà, tout ça parce que c'était, il y avait une blonde peroxydée avec une perruque à poils dans un caddie, et donc ça avait choqué tout le monde. Je sais pas, Claire, toi, tu en penses quoi de cette affiche? Non, bah ça résume bien exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'hypersexualisation, la consommation à outrance. Je pense que aujourd'hui, justement, cette image, elle accuse bien ce qui se passe dans notre société, où on montre bien que la femme est un objet de consommation. Et que l'homme aussi aujourd'hui est devenu un objet de consommation et que la nudité finalement finit par même plus être choquante quoi. Elle est intégrée. Donc non, je trouve qu'elle était très parlante. Et le titre de l'album c'était J'accuse. Hein, justement. Mais oui. Voilà, c'était. Donc bon, c'est du grand n'importe quoi cette société de toute manière. Ouais. Et bon, ben on est désolé pour Triane ou pas parce que peut-être que finalement ça a fait parler d'eux 10 fois plus que. Ce qui aurait été dit de façon habituelle. Et puis, comme c'est un très très bon groupe que j'adore, voilà. Bon, en tout cas, voilà. Je suis content d'avoir parlé d'eux. Donc, encore la belle. Encore un jour se lève sur la planète France. Et... Oui. Le temps perdu, mes rêves, j'ai connu trop la danse, comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour, je me suis encore couché trop tard. Bon, on va arrêter parce que j'ai pas envie qu'on perde des. Bah écoute, sur Antoine, la voix de radio, je l'ai compris. Et bah, on l'a passé cette chanson. Ouais, non, c'est. Attends, elle est mythique, quoi. Ouais, elle n'a changé. Rien n'a changé en plus, elle est encore d'actualité. Et c'est surtout tous ces albums sont mythiques. Moi, je vous conseille d'écouter tous ces albums, particulièrement le J'accuse, qui est un très très bon album. Miami aussi, le dernier, qui est très bon. Voilà quoi. Tout ça aise. Le rock en France se perd. Et tiens, en parlant de rock en France qui se perd, mais on vous en reparlera un peu plus tard. C'est dommage, je l'ai pas sous la main. J'ai reçu un album de quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Guillaume, qui est le compagnon de Nora sur Nuria TV, qui a son groupe de rock qui s'appelle 21 grammes et honnêtement c'est juste génial et ça tombe bien parce qu'on va recevoir Guillaume à la fin du mois de juillet, donc on en profitera pour passer 2-3 morceaux. Vous on verrez. Pourra l'appeler Guigui. Tu pourras l'appeler comme tu veux. Voilà, Guigui, n'importe quoi. En tout cas, voilà, 21 grammes, j'en parle maintenant parce que c'est vraiment un très très bon groupe et les groupes de rock français se perdent. Voilà, allez. Ça, je suis d'accord. Les groupes de rock français se perdent. Ah, bah oui, à part en ce moment Luc, Eiffel, si, et puis Bertrand Cantat qui est revenu avec. Comment il s'appelle son nouveau groupe? Ah, la honte. Donc, c'est plus Nord Désir, c'est Détroit. Voilà. Ah, moi bon, j'aime pas Bertrand Cantat. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, moi j'ai connu Rock One, on faisait passer des groupes de rock alternatif. À l'époque, il y avait quand même des choses qui se passaient. Hein. Il y avait Vegastar, même si on les appelait les Véganazes. Il y avait Madame Kay, il y avait un petit groupe aussi. Bon, il y avait Benoît Power avec Kyo, mais moi j'ai jamais vraiment non plus aimé Kyo. D'ailleurs, on les a jamais reçus. Mais il y avait plein de groupes en floraison que j'ai beaucoup aimé et que j'écoute encore d'ailleurs et c'est dommage parce que déjà à l'époque il y avait Arcole qui passait sur Europe 2 à l'époque parce que c'était Europe 2 des groupes qui avaient du talent et qui ont eu du talent et le problème c'est qu'on leur a jamais laissé la place parce que avec les quotas francophones et puis même les radios elles sont super difficiles. Il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Luna qui est française qui chante en anglais voilà parce qu'aujourd'hui les Français ils sont obligés aussi parfois de chanter en anglais et je trouve ça dommage et en même temps c'est une super belle artiste et là elle commence à se faire connaître. Mais c'est quand même super galère pour un artiste français de se faire connaître. Je sais que Mathieu, qui s'occupe de CTVM TV, celui qui en a la charge, habite Hong Kong et lui, son but, c'est de faire découvrir les groupes français à Hong Kong, tu vois. Et c'est vrai que lui, qui est à fond dans le rock et toute la culture française,
il disait que en France, c'était quand même ultra difficile, quoi. D'accord. On t'entend plus, Antoine. Hein. Tu sais que tu as coupé ton micro. Hein. J'avais coupé mon micro. Ouais, j'allais dire. Je m'auto-censure. Si je vais donner un conseil à Mathieu, s'il veut cartonner dans un pays asiatique avec des groupes français, eh bien, il ne faut pas qu'il passe des groupes français. Il faut qu'il trouve un jeune prodige asiatique qui soit capable de chanter en français. C'est ce qu'il est en train de faire. Et de chanter, voilà, et de reprendre des bons tubes de rock alternatif de groupe français, et là, ça va cartonner. Mais il y a des choses qu'il est en train de mettre en place, je ne peux pas en parler de ce projet, mais ouais, il est en train de faire ça. Mais c'est vrai qu'à Hong Kong, il y a plein de choses à faire, il est à fond, là, il a fait le Midem en France, il a rencontré les Coréens et les Japonais, parce qu'il est vraiment avec la Corée et le Japon. Il y a des choses qui sont en train de se faire, et c'est cool pour lui, en plus de cet EVM TV. Donc Mathieu et moi, c'est pareil, on est tous les deux des gens qui aimons bien faire des choses assez diverses et variées, mais en même temps qui finalement se centralisent, parce que c'est quelqu'un qui adorait la spiritualité avant tout, tu vois. Tout à fait. Bon voilà, la page est tournée. Est-ce que vous avez une actu à nous faire découvrir, ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement à la grille des programmes TV? Passons à la grille. Passons à la grille. Jingle, maître jingle alors. Jingle. Jingle, dal. Non, tu ne mets plus des petits jingles. Ça y est, tu as fini tes montages. Tu ne veux plus bosser, c'est ça? Non, mais là, il est sur la France. Là. Il est en train de regarder le match. Tu l'as perdu, là, Valério. Tu l'as perdu. De toute façon, on ne les met pas. On les met au montage. Mais ça permet de savoir que c'était maintenant le jingle. Allez, on repasse sur le site miasme.com. Vous allez sur Programme TV 2016, juin 2016. Et donc, c'est la semaine, on a dit, du 13 au 19 juin. Voici la grille qui se présente sous les yeux ébahis. Donc, il en manque, hein, forcément. Oui, il en manque, ouais. Comment ça se fait qu'il en manque autant? Parce que j'ai peut-être oublié de faire un commit tout à l'heure de ce que j'ai mis en ligne. Toc. Alors, je ne l'ai pas mis au bon endroit, allez savoir. Toc. Il y a souvent des problèmes techniques, et voilà, c'est un peu mieux. Et après, oui, il nous manque Les Sentiers du Réel, qui ne nous a pas encore envoyé son affiche. Il manque Salamandre TV, qui ne reprendra que à la rentrée. Il manque ODH TV, qui va commencer à reprendre là au mois de juin, il lance sa chaîne. Il manque aussi. Meta TV aussi. Il manque, et puis il doit peut-être en manquer de chez toi, parce que j'avoue, ouais, j'étais à la bourre, mais on va aller après directement sur ton site. Comme ça, on pourra en parler plus précisément. Alors, eh bien, lundi 13 juin à 20h, c'est sur Nurea TV, et c'est Gundal. Et ça s'appelle Intricité. Genre là, je ne sais pas de quoi ça parle du tout. Intricité. Est-ce que ça vous parle? C'est pas un peintre ou un truc comme ça? Là, je bug. Intricité. Je crois qu'on ne pas une personne ou un type de dessin ou un. Un peintre dessinateur. Une cité. Conscience intuitive. On a l'air con, mais on a l'air con. Ouais, ouais, là, pour le coup, désolé. Mais ouais, mais d'un autre côté, il n'y a pas. Ah, bah si, c'est ça, peintre, dessinateur. Hein. Ouais, c'est Gundal qui est peintre. Mais oui. L'intricité, voilà. Il va nous parler d'un truc finalement qu'on va découvrir, parce qu'on ne connaît pas l'intricité. C'est cool. Voilà. Un nouveau thème. Alors ensuite, c'est sur le Mumble Ensemble dont on a reçu les deux représentants la semaine dernière, Carlos et Céline. Donc c'est la corruption franc-magistrale de Hubert van den Toren, et c'est à 21h. Ensuite, on passe à mardi, et bien c'est chez toi. Donc allez, on va faire un petit tour chez toi. Qu'est-ce qui se passe sur ta chaîne ? Bah, parce qu'il y a Peggy, d'ailleurs je reçois les mails de Peggy et Jeff toutes les semaines, qui sont spécialistes du yoga, et ils vont nous expliquer comment pratiquer le yoga au quotidien.
Souvent, c'est vrai que moi, j'adore le yoga et j'ai toujours dit il faut que j'en fasse, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses que l'on peut faire tous les matins. Alors, il faut savoir que pour ceux qui sont vraiment les puristes du yoga, il faut toujours faire à 5h du matin parce que tu es connecté à ton essence et du coup, là, les informations, elles sont plus développées, même pour ton corps, c'est mieux. Le yoga, c'est quand même un état d'esprit, c'est un sport en même temps. Mais vous savez quand même que le but du yoga, c'est aussi de faire taire l'ego. Donc ça, c'est un truc quand même qui est intéressant. Et donc là, ils vont nous apprendre comment pratiquer même au l'ego quotidien. Spirituel. Même l'ego spirituel. D'ailleurs, on en parlera aujourd'hui aussi de l'ego spirituel, ah, avec une vidéo qu'on a eue sur CTVM TV. Et dis donc, Valerio, il commence à s'y mettre, t'as vu ? Il emploie même des termes, des termes techniques. Là, je suis impressionné. Ça veut dire quoi, ça ? Non, non, rien. Vas-y, continue, Claire. Non, non, je veux une explication tout de suite, là. Non, mais écoute, du coup, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus de l'ego spirituel. Oui, alors, bon, on va en parler de l'ego spirituel. Bon, si tu ne sais pas, si toi, auditeur qui nous écoute en ce moment, tu ne sais pas ce qu'est l'ego spirituel, je t'invite à voir la vidéo de l'ego spirituel vu par Anna Atta, un personnage de Sandrine Ashka. Sandrine, tu vois, comme il n'y a pas de hasard, Sandrine habitait plus jeune, quand elle était jeune, à Aubervilliers. Je suis née et j'ai vécu à Aubervilliers. Pendant 20 ans, nous ne nous sommes pas connus. Et il a fallu que la spiritualité nous retrouve. Avec elle, sa chaîne spirituelle et CTVM TV, bah, j'ai fait une émission chez elle. Et puis, j'ai trouvé que ses vidéos étaient géniales. Je me suis dit, écoute, faut que tu nous fasses un partenariat, faut qu'on fasse un truc parce que ce que tu fais, c'est cool. Et elle a fait une vidéo sur l'ego spirituel. Et c'est quoi l'ego spirituel ? Bah, quand tu as dépassé ton ego, à un moment, tu as un deuxième piège qui est l'ego spirituel. C'est-à-dire que voilà, tu te dis, oh, voilà, les petits là qui n'ont pas conscience, voilà, vous n'êtes pas au même niveau que moi, je suis à un niveau supérieur et je suis dans mon ego spirituel, tu ne peux pas comprendre. Et elle a fait une vidéo très spirituelle et en même temps très amusante sur l'ego spirituel. Je vous invite à la regarder parce qu'elle est vraiment bien. Si tu veux, il y a un article dessus sur CTVM TV. Ouais. Alors d'ailleurs, si on veut retrouver les émissions de CTVM TV, donc il y a deux solutions. Soit si vous êtes sur le site, vous cliquez sur CTVM TV ici dans catégorie, et là vous allez retrouver toutes les émissions que l'on a recensées. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, vous cliquez sur n'importe quelle image et ça va vous envoyer sur CTVM TV. Alors pas tout à fait, ça va vous envoyer sur Google pour les émissions. Sinon dans le descriptif, où est-ce que tu es Ah ben écoute, je te retrouve même plus. En fait, non, je ne mets que les liens Google, je crois. Eh oui, c'est mal, j'ai menti. Bon, en tout cas, vous tapez CVTM TV et puis voilà, .com, et puis vous retrouvez facilement la chaîne. Allez, on va quand même essayer d'y aller, parce que là, je pédale, je m'enfonce, c'est terrible. Sinon, tu vas sur Google, c'est pas mal aussi. C'était CVTM-TV. Oui, en fait, c'est... Bon, en attendant qu'il trouve son truc, le match est un peu... Il en est où, là ? On est toujours à 0-0, non mais t'inquiète. Bon, bah voilà. Il se passe absolument rien. Bah oui, il pleut, donc ils sont dans la gadoue. Non, ça va. Allez, non, pour vous arrivez à courir quand même. Pour ma défense, c'est vrai que je mets les liens directement vers les émissions. Et comme les émissions sont sur Google+, c'est pour ça que ça passe directement sur Google+. Donc, alors pour ceux qui ne t'auraient pas encore vu, nous expliquer comment ça se passe, ta chaîne. Ouais. Donc, c'est classé de façon thématique. C'est et ça. Donc, on va retrouver soit les émissions gratuites, donc les conférences, soit les ateliers. Exactement. Donc, les ateliers, ce sont les ateliers qui sont payants. T'as un prix de base qui est ridicule, je crois. 2 euros. C'est 2 euros, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que en dessous, ça te coûterait plus cher de frais. Ouais, c'est 28% que PayPal prend. Alors que quand en fait, quand c'est 1 euro, PayPal prend 28%. Quand c'est 2, ils en prennent 16. Donc déjà, ça fait une grosse différence. Donc ça fait plus d'argent pour les intervenants aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis au prix de 2 euros. Et puis bon, symboliquement, 2 euros, c'est le prix d'un café quoi aujourd'hui. C'est ça. Et donc c'est basé sur le don du cœur. Donc cœur, vous donnez. Sur le café quand même. Ah, franchement, sur Paris, tu peux trouver des cafés à 4 euros quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'est rien. Le dernier que j'ai pris, il était à 3,60. Hein, voilà. Ouais, sérieux, un café à 3,60 euros. Ah, non, mais... plus cher que mon sachet de café, là. T'es sérieux, quoi. Et donc, ensuite, tu thématises donc, tes émissions, tu as des chaînes, en définitive. Voilà, c'est ça.
Et donc, tu as la chaîne Canada francophone, tu as la chaîne Médiumnité Coaching, où là, c'est plutôt toi en partie qui fais les émissions sur celle-ci. Non, c'est Mathieu et Delphine. Moi, je ne suis qu'intervenante hein, sur les émissions. Ah, tu n'es qu'intervenante sur les émissions, d'accord. Oui, je ne suis qu'intervenante, mais je suis la créatrice. C'est-à-dire, je donne les idées, je donne les impulsions, oui, je donne beaucoup de mains, mais je ne suis qu'intervenante. C'est bien sur Médiumnité Coaching que tu interviens, toi. Exactement. Je ne suis pas une spécialiste encore d'ufologie et des secrets historiques. C'est ça. La beauté, c'est pas mon truc. donc d'ailleurs, hier, vous avez reçu, pour la première fois, je crois que je n'en ai pas encore vu sur aucune des chaînes de WebTV, t'as innové, c'est très bien. C'est un débat entre deux ufologues. Ouais. Comment ça s'est passé? Super, écoute, c'était hyper intéressant. En plus, les deux marques s'étaient rencontrées une fois, vite fait, voilà, bonjour, à Lyon, exactement. Et du coup, ça leur a permis de confronter leurs idées. Alors, bien évidemment, Marc Auburn et Marc Gray n'ont pas du tout les mêmes idées, mais ils ont réussi à en fait, ce qui était génial, c'est qu'il y a eu vraiment une effervescence, ils ont vraiment pu débattre, ils se sont même rendus compte que parfois, ils étaient au même endroit, au même lieu. Alors, c'est vrai que pour un non-averti qui ne connaît pas l'ufologie, je vous avoue que parfois, ils citent des personnes, si vous ne les connaissez pas, vous êtes un peu à la ramasse. Par contre, pour ceux qui connaissent tout ce milieu-là, déjà, ils sont beaucoup plus en adéquation. Quoique moi, qui ne suis pas une spécialiste de l'ufologie, j'ai réussi à tout suivre et tout comprendre. Donc, c'est déjà pas mal. Non, franchement, c'était très intéressant. Et puis, en fait, notre objectif avec les débats, chose que l'on va refaire de plus en plus, parce que on a vu que ça a été un franc succès, donc vous allez le découvrir sur toutes les chaînes à partir de la rentrée de septembre, c'est que on trouvait que, en effet, sur ce qui se passe dans le web, c'est toujours du one-to-one. Il n'y avait pas de confrontation d'idées. Et puis, c'était vraiment tout. Enfin, voilà, on va toujours dans le sens du poil. Alors que là, deux personnes qui ont deux avis différents, sans forcément non plus se mettre le grappin dessus, ils ont chacun pu discuter, débattre, donner leurs informations. Eh bien, ça crée une effervescence. Et puis, toutes les personnes qui ont assisté à l'émission, en tout cas, nous ont fait que des bons retours. Donc, tu sais, quand j'avais créé Rock One il y a 10 ans, c'était une petite web radio, deux web radios qui se sont créées après la grosse radio, et puis Click and Rock avait repris toutes nos idées. Je sais une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on met des idées en place, on va être repris. Et je peux te dire déjà que j'ai vu que sur BTLV, ils allaient bizarrement faire des débats. Chose qui est très intéressante, c'est que BTLV ne connaît pas CTVM TV. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et ça, je sais qu'ils le savent, que c'est faux. Et autre chose, c'est que... Oui. Disons que si, il te connaît bien, il t'a cité il n'y a pas très longtemps. Ah bon? Oui, c'était, je ne sais plus dans quelle émission. Nous sommes non violents. Ah, mais je suis non violent. Écoute, s'il m'a cité, totalement pacifiste. Totalement pacifiste. C'était dans un live. Bon, grosso modo, il porte pas trop dans son cœur les chaînes gratuites. Ben oui, parce que ça lui fait de la concurrence. Sauf que aujourd'hui, le web, c'est la porte ouverte à tout. Tu peux pas dire à Norman que il pourra pas avoir d'autres personnes qui vont faire un peu comme Norman parce que il y a que lui qui a le droit. Dans ce cas-là, ça s'appelle de la dictature. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie, nous avons la chance et l'opportunité de faire des choses. Alors peut-être soit avec des petits moyens comme chez toi où tu es chez toi et pour l'instant chez moi, voilà, c'est encore en mode, tu vois. Pas super bien arrangé, mais je viens de déménager, il y a des choses qui vont se mettre en place. On va y aller petit à petit. Je pense que je le sais, c'est TVM TV, là, le concept que l'on a fait, par exemple, de faire des émissions culturelles. Comme par hasard, BTLV vient de recevoir une artiste, émission culturelle. Donc, je sais qu'on est vu, on est écouté et on sera copié. Et bien sûr que l'idée de faire une web TV, je suis pas la première, il était pas le premier, il y en avait d'autres avant, aux États-Unis ça existait. Je veux dire, il n'a pas inventé non plus la poudre, quoi. Non, tout à fait. Bon, après, je pense que, bon, voilà. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. La concurrence a toujours été très saine. Ça permet aux gens de choisir et puis ça permet aussi à tout un chacun de se remettre en question et de s'adapter, d'évoluer. Voilà. Et puis après, c'est pas non plus la même catégorie de d'exigence. On peut pas avoir une catégorie d'exigence. Mais quand vous regardez ma chaîne, par exemple, vous pouvez pas exiger que je like pas, que mes lèvres des fois ne parlent pas en même temps que ma voix,
qu'il n'y ait pas des soubresauts, parce que derrière, ben, vous, voilà, il n'y a pas d'abonnement, alors que sur BTLV, tout est nickel, tout est propre, c'est un très grand pro. Parce que c'est pas le même format. Ah oui, c'est parce que là je peux BTLV, ce que fait Bob en termes de qualité et de professionnalisme, on ne peut pas lui reprocher. La qualité, le professionnalisme est là. En même temps, il vient de 20 ans de radio, ça fait 2 ans, il a misé tout dessus pour... D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait mis du A2i, donc ça m'a fait rire parce que j'ai travaillé pour A2i, donc je, voilà. J'ai déjà installé des cartouchiers, mais ça c'est sûr, on ne pourra pas lui reprocher son travail de qualité. Néanmoins, il ne peut pas non plus, voilà, il pourra pas non plus taper sur nous les petites web TV en disant c'est pas pro donc on s'en fout et que ce qu'on fait c'est n'importe quoi, parce que même si on n'a pas encore les moyens de se permettre de faire ce que Bob fait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser. Et je sais que là, dans les choses que je suis en train de mettre en place, il va y avoir des plateaux de télé. Je sais que je suis en train de travailler dessus, on est en train de le mettre en place et que ça mettra petit à petit. Et puis, je pense qu'il faut mieux commencer petit et progresser que d'aller trop vite. Je pense à Goom Radio notamment, qui était une très belle web radio. J'ai travaillé pour eux, ils ont même fait ça aux États-Unis, ils ont commencé très grand. Et bah, ça s'est écroulé parce que trop de charges dès le départ, ça fait mal aussi. Voilà, donc c'est bon, je voilà, pense ce qu'il faut mieux commencer important, petit à petit. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'y mettre du cœur, de, voilà, de vouloir au moins bien faire. Et puis après, il y a une progression qui se fait petit à petit. Nous, on le voit bien, hein, on progresse à peu près de 10% par semaine, ce qui, dans une société privée, c'est plutôt un beau taux de progression. Je sais que chez toi, c'est peut-être même plus que ça. En tout cas, voilà, c'est moi, de mon point de vue, je trouve ça très propre, très, très, très bien. Et puis, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Alors d'ailleurs, tu cherchais à un moment donné une animatrice, je crois, pour reprendre... Pour beauté et relaxation. J'arrive pas à trouver une animatrice. Toujours pas. Beauté et relaxation. Bah écoute, moi, si tu veux... Ouais. On peut s'arranger. Avec une perruque. On peut s'arranger. Ouais. Il y a qu'à voir le maquillage. Là, il est nickel le maquillage. Tu veux en maquillage, j'ai ce qu'il faut, tu vois. Oui, mais il faut parler de maquillage naturel. Hein. Bah, s'il te plaît, pas de maquillage testé sur les animaux. J'en veux pas. Non, parce que quand même, le projet de CTVMTV, si vous l'avez compris, c'est de proposer quand même une société alternative, une autre ouverture de société. Donc, bien sûr, je vais pas te parler de McDo sur CTVMTV, quoi. Mais qui parle de McDo? Non, mais je te donne un exemple, ou des L'Oréal, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, oui, oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé CTVMTV, j'ai eu une discussion avec Stéphane Coll, et je lui avais dit merci, quoi. Merci Stéphane, merci le grand changement, et je les remercie encore. Je pense que c'est hyper important et qu'on a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on était sur les web radios, comme pour Rock One, hein, par exemple, il y avait, au départ, on était 3 web radios. Hein, c'était Fréquence 3, ABS et... Rock'n'Zone à l'époque qui est devenu Rock One. Et quand il y en a eu d'autres, on ne s'est pas dit « Ah mince, il y a des concurrents, ça va nous faire chier ». Ben non, au contraire, les artistes, ils allaient partout. On n'était pas en train de se taper des doigts en se disant « Mince, Arcole est venu chez nous » parce qu'il y avait 2 autres web radios qui proposaient de l'auto-prod aussi, comme nous. Et ben non, et même nos émissions étaient en partenariat sur une radio FM qui s'appelait à l'époque Triangle FM et qui est devenue Sensation dans les Yvelines. Et voilà, moi j'ai toujours pensé qu'on pouvait partager, on pouvait s'entraider et qu'on pouvait faire avancer les choses. D'ailleurs, avec Miasme TV, sur la chaîne YouTube de CTVMTV, vous pouvez retrouver les émissions que je fais et quand j'interviens, vous avez le Miasme TV. Donc voilà, et je t'avais même parlé du logo, que j'ai vu que tu avais d'ailleurs ton logo et ça m'intéresse. Voilà. Ouais, faut que je te l'envoie, c'est vrai, comment ça y est, on a sorti un beau logo. Ouais. Écoute, j'en profite pour accueillir notre deuxième invité de la soirée. Il s'agit de monsieur Quentin Leplat. Bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Donc c'est finalement, t'es pas trop en terre inconnue là Quentin, parce que je crois qu'avec Claire Thomas vous connaissez. Alors, j'ai fait deux émissions avec Mohamed, donc sur CTVMTV. Donc oui, du coup, je connais le site, hein, voilà. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir un petit peu, voilà. Alors, on va revenir à toi, Quentin. On va juste terminer la présentation que faisait Claire
de CTVM TV pour ce mois-ci. Et puis, ouais. on reparlera peut-être un peu plus tard, Claire, de ce qui va se passer à la rentrée. Comme ouais. ça, on alternera les passages. Allez, je repartage la page. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a plusieurs émissions, ufologie et secret, beauté et relaxation, notre planète et écologie, société et culture. Et parfois, il y a même des émissions qui tombent en même temps, mais c'est pas grave, c'est que du replay derrière, donc vous pouvez revoir tout ce que vous voulez, quand vous voulez. Alors, si je reprends la grille de cette semaine, est-ce qu'il y a autre chose te concernant ? Oui, alors je vais te les dire tout de suite parce que sur le Facebook, on met le programme de la semaine. Donc, d'accord. Il y a l'émission de yoga que l'on voit. Ensuite, il y a l'émission à 20h, le mardi 14 juin, des crop circles, les réponses à vos questions avec Daniel Aran, voilà, qui est spécialiste aussi des crop circles. Donc, c'est sur la chaîne Ufologie. À 21h30, nous aurons Cancer qu'on en parle du sport avec Louis Caz et Faïza Bourras. Alors, Cancer qu'on en parle, c'est une émission où on parle du cancer. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, Louis apporte de nouvelles personnes, des gens qui vont faire partie, qui font partie en tout cas du milieu du cancer, mais des thérapeutes, des personnes aussi qui sont sportives. Toi, Quentin, qui a été sportif, forcément, tu as dû voir des médecins être accompagnés par des personnes. En parlant de cancer, c'était un grand sportif, Louis Armstrong, c'est Armstrong, c'est ça? C'est Lance Armstrong. Ah oui, j'ai fait la Lance Armstrong. Il y en a un qui a marché sur la Lune et il y en a un qui a marché. Il y en a un qui a marché sur la Lune. Enfin, disons, parce que si on prend les ufologues, ils disent que certains ne seraient pas marchés. Mais on dit que Lance Armstrong a joué du pipeau. Ah oui, aussi, ouais, je pense aussi. Ouais. Et la dernière émission. Ça s'appelait Armstrong, en fait. Hein. Voilà. Et la dernière émission, c'est le jeudi 16 juin à 21h avec un entretien avec un abducté, avec Jonathan. Alors nous, l'abducté, on le verra, hein, c'est pas quelqu'un de caché, il joue face to face parce qu'on n'a pas envie de prendre des personnages qui seront fantasmagoriques comme on a pu voir Eric Mesh sur ce mensonge ou des choses comme ça. Bon bref, voilà, on essaye de prendre des gens sérieux qui ont des informations intéressantes. Et voilà, l'objectif c'est pas d'avoir on trie quand même nos invités, c'est quand même important. C'est un peu un gage de sérieux. OK. Et pour finir le mois, tu as peut-être j'en ai d'autres. Qu'est-ce qu'on a dans le mois? On a Balavoine et Coluche sur les vies antérieures. Voilà, je vous le fais le 20 juin. Ah, bien. Oui, bien. C'est une émission qui va être attendue. Est-ce qu'elle a marché d'ailleurs ton émission avec le rocker? Ouais, avec Elvis Presley. Elle a bien marché. Ouais, je crois qu'on a dépassé les 4000 ou les 5000 là, vues. Donc c'est plutôt pas mal, je suis contente. Ouais, ça cartonne bien ça. Les gens, Les gens ont toujours me disent quand même c'est incroyable. Là ils étaient tous un peu surpris parce que figure-toi qu'Elvis il a pas eu que des vies super sympathiques et donc les gens se disent ah mais il a quand même vécu des choses un peu atroces. Mais je vous rassure, dans notre karma on vit tous des choses un peu atroces. Ça c'est il y a pas que de la joie, du bonheur et de l'amour quoi. C'est ça aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Oui, il y a une émission qui sera en atelier avec quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Grégory Motombo qui sera là, qui fera partie des intervenants au quotidien. Si tu peux aller sur la page équipe, justement, tu verras que on a mis les intervenants maintenant qui seront là tous les mois. Donc, il fera une méditation guidée, comment vivre son mandat d'incarnation. Grégory Motombo, que j'apprécie beaucoup, qui est passé sur la télé de Lilou Massé, sur l'INRES, et qu'on a le plaisir d'avoir en tant qu'intervenant il viendra tous les mois. On va parler d'hypnose aussi. Et il y a Elisabeth de Caligny. Ah ouais, mais ça, c'est en juillet, mais bon, je vais quand même teaser dessus. Elle va parler de la vie spirituelle d'Adolf Hitler. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, je crois qu'elle nous en a parlé un petit peu la semaine dernière. Voilà, alors, là, tu es sur quoi ? Sur tes intervenants, je ne vois sur pas. Ah oui, mais là en fait, t'es sur l'équipe, mais tout en haut. Attends, je sais pas, t'as cliqué sur l'équipe. Il manque Elisabeth sur intervenant. Non, parce qu'elle est en page 2. Parce que j'ai demandé. Il y a une page 2. Mais si tu vas en bas, il y a une page 2 et ça va être rectifié. On va mettre tout sur Tu vois ce qui est trompeur?
c'est ouais. que là, t'as un grand trou. Donc, du coup, t'as l'impression que c'est le dernier. J'entends, et je sais que c'est quelque chose qu'on est en train de corriger, en fait. Voilà. Voilà notre Elisabeth. Tu vois, Elisabeth de Caligny, ça va être réglé par chaîne. Donc, on est en train de le faire régler par chaîne. On a pas mal de bénévoles là qui vont se rajouter aussi. Donc, on voit les bénévoles, les rédacteurs et les animateurs. Voilà. D'accord. On fait un peu toute l'équipe. Alors, les intervenants qu'on met, j'espère que Quentin en fera partie aussi. Des intervenants qui seront là, que l'on retrouvera tout le temps, au moins une fois par mois sur cet EVM TV. Ah bien, donc vous allez faire des gens qui vont venir mensuellement en fait. Oui, mensuellement ou tous les deux mois, qu'on ait un intervenant récurrent. Parce que je sais qu'on voit bien avec Elisabeth de Caligny, il y a des intervenants que les gens aiment bien voir. Et ils ont envie de les suivre un peu. Moi, pour avoir créé ma chaîne YouTube en 2012 et je vois l'évolution qu'elle en a eue, c'est vrai que là, en ce moment, je poste un peu moins de vidéos. Tout de suite, mais alors, elles sont où? Bon, je me dis, elles sont sur CTVM TV, mais c'est vrai que j'en postais, j'en ai quelques-unes. Les gens aiment bien suivre certains intervenants. Et puis, quand on est avec Elisabeth qui nous raconte des histoires extraordinaires, c'est génial. Quand on est avec Quentin Leplat qui nous parle justement des mégalithiques, qui nous parle des constructeurs des Mayas, c'est hyper intéressant aussi. Et les gens ont vraiment envie de suivre ces personnes et puis de voir leur évolution. Moi, je sais que pour mes émissions sur les vies antérieures, ils me disent c'est quand la prochaine, quoi. Tu vois ? Alors, écoute, tu me permets de faire une transition toute trouvée, Allez, avec les mégalithiques de Quentin. Donc, Quentin, tu passes, c'est sur Nuria TV, la semaine prochaine, jeudi 16 juin à 20h, le codex mégalithique de Coria. Alors, je ne connaissais pas ni ce codex, ni cette zone-là, Coria. C'est en France? C'est en Corse du Sud. En Corse du Sud, ouais, d'accord. Ben, écoute, je découvre avec toi là qu'il y a des mégalithes effectivement en Corse. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette émission? Comment est-ce que toi tu es? Alors déjà, excuse-moi, on va déjà te présenter parce que c'est vrai que j'attaque direct Bill en tête, mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Comment est-ce que toi tu en es arrivé à côtoyer ce monde-là des grands mégalithes? Je sais que tu voyages beaucoup. Est-ce que ce sont tes voyages qui t'ont amené à découvrir des choses tellement extraordinaires que tu t'y es intéressé, ou est-ce que c'est parce que tu t'y es intéressé que du coup tu as voyagé? Alors, c'est plutôt parce que je m'y suis intéressé que pendant mes voyages, j'ai adopté un regard différent. En fait, c'est en 2012 que j'ai commencé à me pencher là-dessus. Bon, ça m'a toujours intrigué, hein, tous ces monuments que nous ont laissés nos ancêtres, mais j'avais pas creusé. Ça me fascinait un petit peu, mais sans que je m'y investisse vraiment. Et puis depuis 2012, je me suis investi beaucoup plus, et notamment suite au documentaire La Révélation des Pyramides, qui a été un petit peu le point de départ, parce qu'il y avait tellement de choses surprenantes dans le documentaire que j'ai eu envie de vérifier et d'en savoir un peu plus, et donc je me suis mis à faire mes propres recherches. Ça m'a amené à lire beaucoup de livres sur des sujets relatifs aux civilisations anciennes, et notamment toutes les connaissances qu'elles avaient pu acquérir et qu'on ne nous enseigne pas, en tout cas à l'école ou dans les documentaires sur Arte par exemple. Et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'il y a un monde qui nous est pas présenté. Et il suffit de tirer le fil et on découvre de plus en plus de choses. Et donc maintenant, quand je fais les voyages, pratiquement à chaque fois, je repère un petit peu ce qu'il y a dans le coin et j'observe beaucoup, beaucoup de choses qui ne collent pas du tout avec notre vision officielle de l'histoire. Et donc, c'est très intéressant à faire. Et du coup, j'avais envie de le partager. Et depuis quelques mois, je me suis dit, j'avais envie de faire un livre, mais les livres, c'est quand même très difficile de faire un livre. Ça demande beaucoup de travail et c'est pas forcément évident après à partager. Alors qu'un documentaire présenté sur YouTube, je pense que ça se partage plus facilement. Toi, ton métier, tu n'as aucun rapport avec le cinéma, l'audiovisuel, etc. Tu fais ça comme passionné. C'est les hasards de la vie qui ont fait que j'ai rencontré un réalisateur professionnel, mais qui travaille pour des entreprises privées, pour des collectivités, et j'ai vu travailler, et donc il était là lorsque j'étais au Mexique, à Teotihuacan, et donc je lui ai parlé un petit peu des recherches que je faisais,
Et puis je lui ai dit que j'aimerais bien en faire quelque chose, et donc ça a commencé comme ça. Et donc lui, il travaille très bien, il avait des relations avec des gens qui font des voix narratrices, parce que c'est pas évident de faire un montage qui est de l'allure. Et donc c'est venu comme ça. D'accord. Donc, parce que moi, quand je vois ton documentaire ou quand je te suis sur tes passages en Web TV, tu me fais penser à un dessin animé, hein, les Mystérieuses Cités d'Or. Voilà. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ce dessin animé, hein. Les Cités d'Or. Est-ce qu'il y a une petite influence quelque part Des fois, je repense à ce dessin animé et je me dis, mais c'est dingue en fait. Les Cités d'Or, en fait, c'est pas des monuments en or massif, c'est simplement des monuments. Dans la géométrie, évoque des propriétés qui sont le nombre d'or, le nombre pi, etc., et qui certainement abritent d'autres informations qu'on n'a pas encore découvert, on n'a pas encore compris ce que ça voulait dire. Mais ouais, ça me fait penser à ça, c'est vrai, les cités d'or. Hein. D'ailleurs, la deuxième saison est peut-être plus axée sur le côté spiritualité, ça se passe en Asie. J'ai vu. Ah, tu l'as vu aussi? Okay. J'ai vu. Toi, Valerio, t'es trop jeune. Esteban Zia, oui, moi, je suis jeune. Moi, les Cité d'Or, c'est trop jeune pour moi, tout ça, là. Je suis pas non, encore... T'en as jamais regardé? Non, tu peux pas dire ça. J'en ai jamais regardé un. Hein. Je connais la série. J'en ai jamais regardé un. En même temps, la musique, c'est déjà le générique, ça fait... Na 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 na. Ah ben quoi? C'est exactement ça. Moi, c'était Power Rangers. Ma génération, c'était Power Rangers, Dragon Ball Z, Captain Phobbs, c'est un petit peu vieux, mais il y avait Chevalier du Zodiac, tiens, en termes de spiritualité. Spiritualité, bah oui, cette boule de cristal. On réunissait les signes du Zodiac, quoi. C'était génial. Ah, les Chevaliers du Zodiac, pardon. Oui, j'ai confondu avec le Dragon Ball. En tout cas, on voit ce que ça a donné, hein, le résultat. Et dans Dragon Ball, il y a les 7 boules de cristal, hein, pour invoquer le dragon. Voilà. C'est ça. En tout cas, voilà, quelqu'un qui n'a pas regardé Mission de Cité d'Or, ça donne ça. Quelqu'un qui a regardé Mission de Cité d'Or, eh ben, ça donne un jeune aventurier qui parcourt le monde et qui en profite pour nous sortir des super documentaires. Oui. Alors, tiens, en parlant de documentaires, et après on va revenir sur ton émission de la semaine prochaine, tu sors un documentaire dimanche soir. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire? Alors, on pourra le voir sur ma chaîne YouTube, tout simplement, hein, quant à le plat. Normalement, si tout se passe bien, il sera en ligne à 20h, si j'ai pas de soucis de mise en ligne. Voilà, il fera une trentaine de minutes et il va traiter donc d'un site mégalithique en Corse, du Sud, que j'ai découvert en vacances. Le même, et voilà, forcément. J'y suis allé, donc, du coup, j'y suis retourné deux fois. Avec cette fois-ci du matériel, de quoi filmer, de quoi reprendre des mesures, parce que je travaille généralement beaucoup avec Google Earth, mais parfois on ne voit pas avec Google Earth les monuments mégalithiques parce qu'il n'y a pas de bonnes images. Et donc il faut un petit peu de matériel pour repérer les emplacements, les orientations. J'ai constaté très rapidement qu'il y avait en fait un plan géométrique très précis. Et qui fonctionnait avec des unités qui normalement n'ont pas été découvertes avant le XVIIIe siècle, puisqu'ici, là-bas en l'occurrence, c'est l'unité métrique qui est employée. Et sur les panneaux à l'entrée, on nous explique que ce sont des monuments qui ont commencé il y a 6300 ans, dont la construction a commencé il y a 6300 ans, donc c'est absolument... ça pose un problème en fait par rapport à la découverte officielle de l'unité métrique qui normalement découle des dimensions de la Terre. C'est ça, et bizarrement, cette unité métrique, on la voit avec Jacques Nemo hein, dans la révélation des pyramides, oui. C'est ce qui vous met tous la puce à l'oreille. Exactement. Et c'est vrai que c'est tellement dingue de se dire que le maître, on peut le retrouver dans ses constructions j'allais dire en tête des Luviennes, oui, peut-être. Voilà, c'était tellement, tellement cinglé de retrouver ça, quoi. C'est pas du fruit du hasard. Donc, ça vous met tous la puce à l'oreille et il y a forcément quelque chose derrière ce maître, ça c'est sûr. Oui. Alors, oui, vas-y, excuse-moi. Continue, je te laisse terminer. Non, je voulais juste te dire que pour donner un petit peu l'eau à la bouche, je voulais passer le teaser de ton documentaire et puis après on. Ah oui, on reprend, pas de souci. Ouais. Allez. We'll be right back.
Site, c'est Messager de la Nuit des Temps, c'est ça ? C'est Message de la Nuit des Temps. Message de la Nuit des Temps. Ouais, après, il y a une page Facebook aussi qui porte le même nom, et puis une chaîne YouTube où là, c'est juste Quentin Le Plat, parce que j'avais créé longtemps avant, et j'ai pas changé le nom, en fait. D'accord. Bon, de toute manière, on mettra les liens et ça ira directement sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et donc, en fait, bon, ce qui est... Tu as raison quand tu dis que ça nous met la puce à l'oreille, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les civilisations anciennes, mais... des hypothèses qu'on peut formuler, mais où on n'a pas finalement suffisamment de bagages et de matériel pour pouvoir l'évaluer après, voir si ça tient la route ou pas. Et là, à propos de l'unité métrique, moi, effectivement, dans le documentaire de Jacques Grimaud, c'est la première chose que j'ai voulu vérifier, c'est si vraiment cette unité est intégrée dans la grande pyramide de Gizeh, alors il y a effectivement un gros problème. Donc j'ai vite constaté qu'elle y était parce qu'il y avait, elle était bien mise en relation avec d'autres constantes mathématiques, ce qui fait que finalement cette grande pyramide, c'est une équation mathématique qui fonctionne en mètres. Et pas seulement, elle fonctionne en coudées également, et on pourrait avoir d'autres surprises également plus tard. Et donc le fait de découvrir ça et de pouvoir le mesurer avec des outils modernes finalement, c'est apporter des éléments de preuve rationnelle en fait et même scientifique. De quelque chose qui bouscule totalement notre paradigme, en fait, de la vision de l'histoire de l'humanité. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé intéressant de présenter, en fait. C'est pour ça que ma démarche, elle s'appuie surtout sur des outils de mesure, sur des choses qu'on peut vérifier, que ce soit sur le terrain, que ce soit après par des outils statistiques. Et au final, on ne peut que faire le constat à travers... moult exemples que quelque chose nous a échappé. Surtout que quand on voit comment on découvre le mètre, parce que le mètre, il me semble que c'est un dix millième du quart de la circonférence de la Terre, ça, ou un truc... Dix millième partie du quart de méridien, oui. Dix millième partie du quart de méridien. C'est un truc de malade. Donc tu te dis, comment est-ce qu'il y a 2, 3 000, 4 000 ans, est-ce qu'ils ont fait pour trouver ça ? C'est-à-dire que même nous, on a été à l'école, on a suivi des cours de sciences, etc., je suis même pas sûr qu'on soit capable, en se posant, de pouvoir le calculer par nous-mêmes, tu vois, alors qu'on est quand même issu d'une technologie moderne. Ce que je peux te dire déjà, c'est que forcément, je me suis intéressé à comment on fait Jean-Baptiste Méchin et Delambre, les scientifiques qui sont allés mesurer normalement ce méridien à la fin du XVIIIe siècle. Je me suis intéressé pour savoir comment ils ont fait. J'ai regardé, j'ai retrouvé, donc il y a de la documentation, on peut même voir comment ils ont procédé. Et on peut s'amuser avec Google Earth à reproduire les mesures qu'ils ont faites. Et toutes les mesures que j'ai pu reproduire, il n'y en a pas une seule qui est juste, avec une précision suffisante. C'est-à-dire que quand ils mesurent un angle sur 20 km, ils ont des erreurs de 2, 3, 4, 5 dixièmes de degré. Quand ils mesurent une latitude, ils ont au mieux 60 mètres de précision. Au final, ça me paraît pas possible qu'ils aient pu trouver l'unité métrique au vu de toutes les erreurs que j'ai observées. Et j'observe que chez les bâtisseurs mégalithiques, donc notamment en Corse, mais il y a d'autres endroits où il y a d'autres chercheurs comme Howard Crowers qui a beaucoup travaillé dessus, on observe que les mesures des peuples mégalithiques sont plus précises que les scientifiques de la fin du XVIIIe siècle. Ouais, voilà. C'est vraiment un truc de malade. C'est très surprenant parce que les mégalithes, ça, on se dit, bon, c'est des cailloux, c'est assez grossier, ça ressemble, voilà, c'est. Ça paraît impressionnant. On a toujours l'image hein, de nos ancêtres avec une grande queue de cheval qui tire les femmes par la tignasse et qui ont un gros gourdin. Mais ouais, non, j'ai pas cette image-là. Ah, tu n'as pas cette image-là, toi ? Oui, j'ai pas cette image-là. Tu n'as pas l'image du gros gourdin ? Bon, bah, écoute, tant pis. Du gros gourdin.
Tu regardes quoi exactement dans la semaine, Antoine? Oh, désolé, c'est de ta faute. Hein. On avait dit pas de foot, pas de cul, et, ou tout le contraire. Voilà. Excusez-moi, j'ai dérapé. Mais on ne la coupera pas. Par contre, un truc qui m'interpelle, c'est finalement pourquoi est-ce que tu la diffuses directement sur YouTube, ton documentaire. Si tu n'as pas eu envie de faire des projections comme ça, privées, faire un petit peu le tour de France, comme ça se fait. Tu n'as peut-être pas le temps, tu me diras. Peut-être que je le ferai plus tard. Quand j'ai commencé à faire le premier documentaire, je me suis dit, bon, bah, je vais le diffuser sur YouTube et puis on verra bien. Et puis, il se trouve que ça intéresse des gens et que je vais aller le présenter en Bretagne là, dans quelques jours, là, du 17 au 21. Bon, c'est du 18 au 21 à Plouarnel. Là, il y a un festival où je présente. Allez, bah, écoute. Hop, je t'en parle, j'allais en parler moi aussi. C'est effectivement le festival qui est organisé en Bretagne qui s'appelle Mégalith et Pyramide. Allez, on va mettre une affiche un peu plus grande. Donc, c'est du 18 au 22 juin à Plouarnel. Et c'est organisé, tu en as parlé tout à l'heure, hein, par Howard Crowhurst. Howard Crowhurst, oui. Tu vas retrouver d'ailleurs Jacques Grimaud qui va. Je ne sais pas. Pas s'il intervient le même jour que toi, ou pas, il intervient le dimanche. Oh bien, si, il intervient le dimanche. Il y a aussi Christopher Dunn aussi, ça, je pense que ça va être très intéressant, parce qu'on ne connaît pas grand-chose de lui, finalement, enfin, de son travail, on ne connaît pas grand-chose, finalement. Ouais, bah, écoute, moi, je ne le connais même pas du tout, tu vois, je le découvrais avec l'affiche. John Martineau, il y a aussi le fils à Howard, hein, qui fait les conférences. C'est David, je crois, son prénom. David, ouais. C'est ça, voilà. Et donc, oui, ça risque d'être un. Oh, t'as pas ta photo, toi, ils sont pas sympas. Ah, mais c'est normal, je débute, hein. T'es au milieu. Bah voilà, t'es pas encore assez vieux, il te faut un peu plus de poils au menton, je suis désolé. Non, c'est ça. Et donc, toi, tu passes dimanche 19 juin à 11h. Et par contre, ça va être sur ton précédent, précédent film. Voilà, c'est comme le thème, c'est les pyramides là-bas, donc ça va être sur ce que j'avais fait sur les pyramides de Teotihuacan au Mexique. D'accord. Du coup, tu vas rencontrer Jacques Grimaud, tu l'avais déjà rencontré ? Je l'avais déjà rencontré, oui, on n'avait pas eu le temps de beaucoup parler, mais j'avais aussi discuté un petit peu avec quelques membres de l'équipe qui travaille autour de lui, en fait. Hein. Donc je connais, oui. Je connais bien leur travail, enfin, on a échangé quelques mails ou SMS. J'ai eu une fois ou deux, j'ai eu au téléphone une personne qui travaille avec eux. Voilà, et je ne connais pas encore très bien, en fait. Hein, bah, écoute, on profitera pour voilà, ce sera l'occasion. Jacques Grimaud, que vous pourrez retrouver donc samedi prochain au salon du Mystère d'Inspiqué, le troisième salon organisé par BTLV. Valério, Claire, vous avez déjà eu l'occasion de regarder un petit peu ce que faisait Quentin ou pas eu le temps? C'est pas forcément. J'ai entendu parler, mais jamais regardé. Et je viens de m'abonner à sa chaîne YouTube et je suis son 741e abonné. Bienvenue. Donc, j'irai voir ça à l'occasion. Non, mais j'ai regardé vite fait là pendant que vous parliez. Les vidéos sont assez bien faites. C'est pas deux trois images mises l'un aux autres. L'un à l'autre. Il y a des vidéos, c'est moi qui les ai faites, mais il y en a quelques-unes, enfin il y en a deux en tout cas, qui ont été faites par, enfin une par Clément le Staron, qui est un professionnel, pour Teotihuacan. Pour ce qui sort dimanche, c'est pareil, c'est lui qui va le faire, et puis il y a des teasers donc, qui là sont faits aussi par Clément. Ça a l'air pas mal. Juste le bémol sur la chaîne YouTube, c'est que c'est pas organisé, hein. on sent que c'est mis à... Ouais. On va te donner deux trois conseils, Quentin. Ouais, je ne maîtrise pas encore bien YouTube. Et Claire, du coup, on t'a coupé, oui, donc toi, forcément, tu as eu l'occasion de... Bah oui, forcément, parce que ce qui se passe sur cette MMTV, bah, je me renseigne quand même, je regarde. Donc, j'ai pu voir la Cité des Bâtisseurs, que j'ai trouvé très intéressant, très complet aussi. Et du coup, ça m'a replongé un peu dans les maths, forcément, avec les angles. Mais non, mais c'est toujours... C'est marrant parce que la Cité d'Or...
me fait penser, moi j'étais fan de cette série aussi, et La Cité d'Or, et quand j'ai fait l'émission sur Elvis, où justement, normalement j'ai parlé de La Cité d'Or, c'est que ce que j'en avais vu, bon, en tout cas, c'est que tout le monde disait oui, c'était à l'époque où justement on recherchait ces cités d'or, il y a de l'or partout, et en fait c'était extrêmement déçu parce qu'en fait ils ont retrouvé de l'or, mais pas ce qu'ils cherchaient réellement. Et en fait, je comprends mieux pourquoi j'ai vu cette image et que je l'ai expliqué lors de la dernière émission sur Elvis Presley, parce qu'en fait, l'idée est plus mathématique que finalement dans l'opulence et dans l'argent, quoi. Ouais. Je pense que c'est par cité d'or, il faut entendre, je dirais, un trésor de connaissances qui nous est livré à travers un langage universel qui va être les mathématiques. Ouais. Ouais, qu'on commence tout juste à comprendre. Alors, que ce soit dans le documentaire qui sortira sur la Corse ou sur Teotihuacan, en fait, j'ai abordé des éléments, mais il y a beaucoup d'autres choses en fait qu'on commence à comprendre et que Watt Crowhurst a bien compris, en tout cas, plus mieux que moi parce que ça fait longtemps qu'il travaille dessus, mais il aurait énormément de choses à dire sur ce langage et sur ce qu'on peut comprendre. Mmh. De toute façon, on peut dire que les maths, c'est un langage. Hein. C'est un langage qui est extrêmement complexe et en même temps, je pense qu'il faut se pencher. Il est plus que complexe, il est universel. Ouais. C'est vrai. Et Howard, moi, j'ai découvert sur BTLV, il avait fait deux, trois interventions. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, ce qu'il fait, c'est juste génial. C'est un spécialiste des mégalithes. Au moins en France, et voilà, c'est juste, j'allais me redire, génial, excusez-moi, je me répète, parce que je ne trouve plus les termes, parce que je pense à autre chose en même temps. Voilà, en tout cas, Quentin, donc tu passes sur Nuria TV, c'est jeudi prochain, et vous avez peut-être déjà programmé une intervention sur CTVM la prochaine. Oui, c'est au mois de juillet, le 5 juillet. Le 5 juillet. Avec Mohamed. D'accord. Sur quel thème ? Ça sera notre thème ? Je pense qu'on va parler de ce que je vais aller voir en Bretagne, puisque je vais rester les 4 jours. Donc, je vais voir tous les conférenciers, je vais faire toutes les visites qui vont être organisées. Je pense que j'aurai des choses à raconter. Et puis, je vais sûrement discuter avec ces gens-là, peut-être d'un projet d'un documentaire que j'aimerais faire pour 2017. Donc, quelque chose un peu plus important. Et tu sais quoi ? Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, je l'ai senti. Je l'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était un peu plus important et que ça allait peut-être te démanger. Mais voilà, écoute, je me suis pas trompé. C'est des sujets que je vais aborder voilà là-bas et je pense que j'en parlerai un petit peu plus avec Mohamed le 5 juillet quoi. D'accord. Ok. Bon, ben en tout cas, Quentin, merci d'être passé nous voir. De rien, avec plaisir. Moi, je te souhaite très bonne chose, plein de choses pour ton prochain documentaire, hein, qui dépasse en vue le premier. De toute manière, tu verras, ça va aller toujours en grandissant, cette histoire-là. Mmh. Et puis, éclate-toi dans ce que tu fais, parce que tu nous fais rêver, tu nous fais voyager. Et voilà, moi, je trouve ça vachement bien. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, bah, écoutez, les invités se suivent et se succèdent. Bah, on va accueillir directement. Et se ressemblent. On va accueillir directement Dominique Vandenberg. Excuse-moi, à chaque fois, je vais mettre un R dans ton nom. C'est pas grave. Bonsoir, Dominique. Comment vas-tu ? Bonsoir. Je vais très bien. Et toi ? Bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, je vais très bien. Donc, Claire Thomas, je ne sais pas si vous connaissez. On se suit sur Internet, mais on ne se connaît pas encore. Voilà. Ah, voilà. On va avoir l'occasion de faire ta connaissance. Alors, Dominique devait nous rejoindre, c'était quand ? C'était il y a deux semaines. Il y a deux semaines. C'est ça. Où la France avait subi des problèmes de chez Bouygues, de réseau, voilà, tu ne pouvais plus te connecter. Ah ouais ? Oui. Mais on avait eu des problèmes sur tous nos invités. Christelle Hachette n'avait pas pu se connecter, Dominique non plus. Elisabeth Vecalini, qui devait se connecter avec Orange, elle avait eu un orage, elle n'avait pas pu se connecter. Donc finalement, on n'avait eu qu'une seule invitée. C'était Anne Tufigo, et voilà. Et, ben ça y est. On n'est pas prêt de voir à quoi. Alors, bon,
Attends, il avait dit qu'il gagnait et on le voyait nu, non? Oui. C'est pas grave, je vous rappelle que c'est enregistré, j'ai le replay. Il n'y a pas d'entourloupe. But de la France, but d'Olivier Giroud à la 57e minute face à la Roumanie, 1-0. C'est parti, excusez-moi de vous avoir coupé. Surtout défoncer les tympans. Ouais, on t'avait pas prévenu, Dominique. Non, je savais pas. Ce soir a décidé de commencer. Je suis absolument pas le foot. Elle a eu peur. Non, oula, il faut beaucoup plus que ça. Alors, Dominique, allez, vas-y, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, j'allais dire, dans la vie, ou en tout cas dans les activités qui nous intéressent? Ben écoute, je suis guérisseuse, je suis Chanel, je suis coach et je mélange un peu tout ça dans ce que je fais au quotidien pour mes consultations, en m'amusant beaucoup, en faisant ça dans la joie et la bonne humeur surtout, mais en étant très claire et très directe. Alors c'est pas moi qui vais mettre du miel, de la rose, mais beaucoup de douceur et d'amour, mais je suis claire. Toi, tu ne mets pas du miel dans le rose. Je ne la connaissais pas, cette expression-là. Non, mais c'est une expression orientale. Je suis moitié européenne, moitié moyenne-orientale. Je vis aux Émirats arabes unis et je suis en France pour mettre en place des projets d'ateliers, de conférences. Et donc, il y aura un atelier de communication avec les anges à la fin du mois. Donc, dernier week-end du mois de juin à Cabriès, dans la Bastide Blanche. Je trouvais que déjà le nom, c'était pas mal. Alors, donc, attends, voilà. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a profité pour t'inviter, hein, parce que je profite d'inviter les personnes qui ont une actualité pour pouvoir parler d'elles. Donc, effectivement, ça se passe. Hop, on va zoomer sur ton affiche du 25 au 26 juin de toute la journée, hein, 9h30 à 17h. Oui, tant qu'à faire. À Cabriès, donc c'est dans le 13, ça, c'est à côté de. C'est près Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, entre Marseille et Aix-en-Provence, voilà. Et donc, tu as un beau programme. Préparer un channel de lumière. Alors, vas-y, je te laisse décrire ton programme, peut-être. Mais en fait, c'est vraiment c'est pendant 2 jours, on va simplement. C'est pas aussi simple que ça, mais disons qu'on va construire une tour de lumière autour des personnes pour qu'elles puissent recevoir leur message de leur guide. Une alternance d'exercices parce que je les fais travailler quand même. Hein. Au bout du compte, il faut qu'ils puissent faire ce pas et sont venus. Il y a aussi beaucoup de méditations qui sont faites avec les êtres de lumière et pour être précis, avec les guides des personnes parce qu'on ne va pas faire venir toute une smalade d'êtres de lumière. Pour ça, c'est les guides des personnes qui viennent donner ce que les gens sont venus recevoir et on fait ça pendant 2 jours et c'est assez intensif parce que il y aura 1 heure de repas, hein. Faut pas croire que les gens vont prendre 3 heures de repas. Non, on est là pour bosser, pour le faire dans la joie et la bonne humeur. Et c'est vraiment pour pouvoir se relier à sa guidance intérieure, à ses guides de lumière parce que pour l'instant, c'est de bien recevoir ce qu'on a besoin de recevoir comme message. Surtout en ce moment, c'est pas clair qui va me contredire là-dessus parce que pour l'instant, ça bouge beaucoup. Ah, pas du tout. Et donc là, je pense que c'est important qu'on se relie et on est. Je suis pas la seule à faire ça d'ailleurs. C'est pas le but de dire que je suis la seule et l'unique. Non. C'est vraiment que la majorité des gens puissent se connecter en toute sécurité à leur guide et recevoir les guidances parce qu'effectivement, on est comme dans une zone où on est en plein changement et les changements s'accélèrent et donc c'est le but. Alors je suis très claire, c'est fait de façon claire, directe. Première chose à faire, l'ancrage et à la Bastide Blanche, il y a un énorme jardin. Alors on va prier pour qu'il fasse beau. Un énorme jardin, on pourra travailler dehors aussi. C'est vraiment très très agréable comme cadre parce que autant le faire dans un cadre magnifique, au calme, tranquille. Donc, les gens vont pouvoir poser toutes les questions. On va aller jusqu'au bout des choses. On va aller en profondeur. Que les gens ressortent vraiment avec les moyens de s'aider au quotidien dans leur vie. D'accord. Et quand tu parles d'ange, on est d'accord, c'est pas la notion d'ange, la notion judéo-chrétienne de non, de pas l'ange. Du tout. Non, c'est vraiment pas du tout ça. Je crois en Dieu. On est dans l'être de lumière. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas dans les religions. Donc, je suis la dernière à venir au niveau des religions, même si effectivement, je suis beaucoup entourée de gens qui sont dans les religions. Je vis dans un pays musulman.
qui est en plein ramadan, donc je suis très contente d'être en France, parce que bon, moi, le ramadan... Alors, tiens, par contre, du coup, c'est intéressant, si on peut se permettre de poser des questions dans ce sens-là, parce que forcément, on n'a pas beaucoup d'invités qui ont l'occasion de vivre directement dans un pays musulman. Ça se passe comment pour vivre sa spiritualité dans les pays musulmans? Parce que autant en France... même si c'est un pays qui est censé être athée, même si c'est un pays qui est censé être ouvert, vivre sa spiritualité, c'est pas toujours facile. Non, mais là-bas, c'est beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, dans les pays du Moyen-Orient et du Golfe, quand je dis musulmans, moi, je parle surtout de ce que je connais, c'est-à-dire le Liban, la Jordanie, etc., le Golfe. C'est beaucoup plus facile parce qu'à partir du moment où on croit en Dieu, peu importe ce qu'on fait, peu importe en quoi on croit, les anges, la médiumité, ils y croient. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont médiums. J'ai des amis émiratis qui me disent « Bon, dis, tu peux pas les voir là-bas, qu'est-ce qui s'y passe ?» Oh, oui, c'est gentil, merci. Donc, ils sont absolument beaucoup plus ouverts qu'en France. Beaucoup, il ne faut pas oublier que ce sont des gens très éduqués, mais là, je parle des émiratis. Et du moment qu'on utilise ces dons à bon escient, ben, eux, ils sont pour, en fait, parce qu'ils disent qu'un don, ça vient de Dieu. Donc, on est un peu entre eux et Dieu, ce que j'essaye de redescendre, mais un don de Dieu, c'est un don de Dieu et c'est respectable, que ce soit guérisseuse, médium, pour eux, c'est important. Donc, ils n'ont pas de problème avec ça. Par contre, si on commence à jouer avec une médiumité où on dit dans 3 mois, on va rencontrer l'homme de sa vie, là, ils ne sont plus d'accord. Mais moi, d'accord. Non plus, d'ailleurs. Donc, j'ai été acceptée avec don et mes capacités. Je fais des soins à des émiratis, je fais des soins à des Indiens, mais c'est vrai que j'ai un meilleur contact avec les Émiratis parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit, cette éducation. Ils vont quand même dans les plus grandes écoles du monde, les plus grandes universités. Ils font Harvard, Eton, Cambridge, etc. Donc, ils ont une ouverture d'esprit. Mais comme partout ailleurs, on trouve de tout. D'accord. Mais c'est vrai que le premier... En tout cas, c'est donc pas plus difficile. C'est plus facile, je trouve. Okay. Franchement, c'est plus facile. Tant mieux, tu vois, ça, au moins on fait tomber là des idées préconçues, c'est bien, c'est presque rassurant. Allez, c'est le but en fait, le but c'est justement, je vais faire un documentaire sur Dubaï pour montrer le côté humain, culture et tradition, et on va parler de ça dedans, forcément, puisque ça fait partie de ce que je discute avec eux, donc on va le démystifier justement. Okay. Hey merde, la Roumanie vient d'égaliser. Ouais. Ah oui, ah ben ça. Ouais. Merde. Tout n'est pas perdu, Claire. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Putain, parce que Claire veut me voir tout nu, quoi. Ouais, ah ouais. Moi, j'ai une question. Je suis pas sûre, moi, en fait. Je te disais ça en passant. Oups. Moi, j'ai une question. Comment on voit la France comment les gens voient la France là-bas? Quelle image a la France dans ce pays-là, dans ces pays-là où... Ils connaissent très très bien la France puisqu'ils y viennent régulièrement, mais vous ne les repérez pas parce qu'ils ont absolument un type physique qui n'est pas tellement connu ici. Faut savoir qu'il y a pas mal de militaires français, il y a une base française militaire à Abu Dhabi. Alors effectivement, effectivement, l'image de la France, elle est très ambivalente. Ils aiment bien tout ce qui est français, etc. Mais par contre, avoir encore une base militaire française sur leur territoire, ça les gêne beaucoup quand même. Mais ils aiment beaucoup la France. Ils aiment beaucoup la France. Ils aiment beaucoup Paris. Mais en fait, ils connaissent très peu. Enfin, moi, j'ai discuté beaucoup et ça va être le documentaire retour où je vais amener des Émiratis en Europe et filmer l'Europe avec leurs yeux, ils connaissent la Tour d'Argent, mais j'aimerais bien les amener à Barbès quand même, ce serait plus drôle. Donc c'est un peu le but, c'est de dans les deux sens de démystifier en fait et de leur faire connaître et de faire connaître à l'Europe leur opinion. Oui, c'est intéressant parce qu'ils ont une opinion. Pas uniquement sur la France, mais sur l'Europe en général. Eux, les SDF, ça les choque. Ils disent, mais pourquoi s'ils ne s'occupent pas de leur peuple? Alors, effectivement, ça va être dit dans le documentaire. Je sens que ça va être rigolo. Ils sont aussi, quand ils voient la manière dont les femmes qui divorcent doivent aller au resto du cœur, ça les choque profondément aussi. Donc, je pense que c'est des choses qu'ils vont dire avec leur manière très, très, très douce de le dire et très ferme aussi derrière.
Ok, donc ça, c'est un documentaire qui devrait sortir à la fin de l'année, c'est ça, ou en début d'année prochaine? Non, non, je le tourne cet hiver, le premier documentaire. Pour 2017. Oui, c'est pour 2017. Le premier, en tout cas, oui. Ok, tu pourras venir en reparler dès que ça sera dans la boîte. Oui, je vous inviterai à Cannes, peut-être, parce qu'il va passer au festival de Cannes. Ça me coûte volontiers, tu vois. Moi, voilà. je veux bien venir à Cannes. On aurait été le premier média à en parler, voilà. Donc, du coup, voilà, vous êtes le premier média. En tout cas, le premier média francophone, pas le premier média anglophone. Francophone. Ne prenons pas le melon. Allez, moi, j'ai une dernière question à vous poser à toutes les deux, mesdames. Parce que j'ai une question qui m'interpelle. Quand deux médiums comme ça se rencontrent, c'est-à-dire une médium qui voit les vies antérieures, une autre médium qui voit les êtres de la lumière, les anges, et donc quand vous vous rencontrez comme ça, est-ce que entre vous, de suite, vous avez des flashs comme ça qui vous viennent? Est-ce que toi, Claire, tu vois de suite des choses sur Dominique? Est-ce que toi, Dominique, tu ressens des choses sur Claire? Voilà. Comment ça se passe, la rencontre entre deux personnes extrasensorielles? C'est marrant ce que tu dis là, parce qu'en fait, on nous prend déjà pour des extraterrestres, alors qu'en fait, la médiumnité, tout le monde l'a. On va démystifier un peu tout ça, je pense que c'est important. Je suis sûre que quand tu vois quelqu'un, tu as des visions. C'est marrant parce qu'en plus, ce que tu me dis là, aujourd'hui, j'ai revu un ami médium, Philippe, que j'ai vu de temps en temps sur les salons, et tout de suite, il m'a alpagué en me disant « Ouais, tout, tu vas avoir du retard, des choses. » Alors, c'est marrant, parce qu'on souvent, on pense que les médiums, on va tout de suite dire à l'autre « Ah oui, alors tu as été ça, etc. » pour montrer à qui sera le mieux de choses ou plus de choses. Alors qu'en fait, ça se passe souvent très simplement. Enfin, je ne sais pas pour toi, Dominique. Oui, tout à fait, absolument. Voilà. On vit normalement, on n'est pas des extraterrestres. Enfin, peut-être un peu, mais bon, quand même. Mais on n'est pas. Moi, je coupe mes perceptions en fait. Je les laisse pas en permanence ouvertes. J'ai appris à les couper parce que quand mes dons se sont développés à vitesse, pendant 3 semaines, j'ai pas dormi parce que moi, je vois 3D couleurs avec le son, donc c'était assez lourd. Et puis on vit normalement. Moi, quand je rentre dans un magasin, quand je vais au Carrefour, je connais pas la vie des gens dans lesquels. Je m'en fiche en fait, pourquoi elles achètent une tomate en fait, finalement. Et c'est très juste ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'en fait on a la capacité de couper. Et quand on rencontre une personne, je pense qu'on a aussi des moments où on a envie de se reposer et de se dire, on peut souffler. Et on n'est pas que la médium, la personne qui voit des... Voilà. On est des êtres normaux. Alors, moi, en tout cas, ce que je vois chez Dominique, c'est que c'est vraiment une personne qui... On sent qu'elle capte les énergies, qu'elle vibre avec et que dans ses vies antérieures, même si aujourd'hui, tu n'es plus dans les religions, tu l'as été. Parce que bah, ça fait partie du karma et des choses que l'on vit. Mais des choses qu'on doit tous passer par là. Mais c'est, oui. Je vois que c'est une personne, en tout cas, qui amène une sincérité et c'est beau, en tout cas, ce qu'elle propose. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de qu'on soit nombreux à aider les gens à se reconnecter. Et ça, c'est important. Vrai. Parce que chacun a besoin de retrouver sa guidance au lieu de chercher à 100 000 personnes. Parce que c'est comme les plombiers, c'est comme les dentistes. Que j'apprécie pas généralement, mais pour d'autres raisons, on trouve de tout. Et maintenant, aux gens à suivre leurs intuitions. Quand on me dit, oui, mais je suis allée à médium, je vais voir un médium et il m'a rien dit. Mais tu as choisi le médium que tu as été voir en fonction de quoi? Si tu le choisis aussi bien que ton plombier, ben forcément, ça marchera pas. Hein. C'est tout. Point. À la ligne. Et je suis d'accord, je pense que aujourd'hui on est dans une ère où quand en tout cas moi je reçois les personnes, je leur parle de leur vie antérieure. Par contre, c'est un truc qui m'a choquée dernièrement, ça m'a vraiment stupéfaite, c'est qu'une personne me demandait est-ce que tu vois cette vie en 1945. C'est-à-dire comme si on était des pilotes automatiques, attends, je vais en replay, ça je supporte pas. Et cette personne, je lui ai dit, écoutez, on va arrêter là, c'est pas possible parce que les flashs que j'ai dans des vies antérieures, c'est ce qu'on me donne et ce qu'on me montre. C'est-à-dire voilà. Que je rentre dans le corps karmique, voilà. je vois ce que l'on montre. Oui. Et les gens, parfois, sont tellement à l'affût de quelque chose de précis, on n'est pas des postes de télévision où on fait voilà, je commande sur service. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, on est des facteurs, on reçoit le message, on le met dans l'enveloppe et on vous le donne. Ce que vous en faites, c'est votre problème. C'est ça. Ok.
Bon, mais en tout cas, c'est très clair. Je vais juste finir en partageant sur ton site, Dominique, pour que tout le monde, voilà, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, suivent tes stages, tes conférences ou tes consultations. Le site qui va changer, qui est occupé à être refait complètement par quelqu'un de magnifique. C'est vraiment un cadeau de la vie. C'est quelqu'un qui va le refaire tout à fait, qui a plus à mon image. Et donc, on bosse sur d'autres projets aussi, hein, des documentaires, parce que je vais organiser des concerts, mais toujours dans le même but, c'est que les gens apprennent à se connaître entre ce monde du Moyen-Orient, du Golfe et l'Europe et l'Occident, pour faire un pont entre deux mondes. Et plus on va se connaître, mieux on va faire la paix dans ce monde. Ouais, okay. C'est intéressant. Bah, écoute, en tout cas, voilà, le site, c'est lechampdesanges.net. Et puis là, vous retrouverez toute l'actualité de Dominique. Voilà. Et bien, en tout cas, Dominique, on te remercie d'être passé. Merci beaucoup. Et ravie d'avoir fait votre connaissance. Merci Claire, parce qu'effectivement, j'ai entendu parler de toi et je suis ravie d'avoir fait cet échange avec toi. Ah ben oui, avec plaisir, et moi aussi. Donc, je m'empresserai d'aller voir ton site et de découvrir ton univers qui est très intéressant. Merci, le tien j'aime beaucoup et on est sur Facebook, on pourra papoter. Ah bah oui, avec plaisir. À tout bientôt. Ouais. Laissons les femmes ensemble. Voilà. Pendant le foot, en même temps, je te dirais, c'est normal. Voilà. Allez, à bientôt, Dominique. À bientôt. Au revoir. Bon, alors, on en est où, Valério, de ton prochain striptease là? Est-ce qu'il y a des espoirs? On est à un partout. On est à un match très équilibré. Il faut attendre encore 16 minutes. On est à 74e minute de jeu. Il faudrait que la France marque un but et que la Roumanie n'en marque surtout pas. Et si c'est 1-1, est-ce que c'est au tir au but? Ça se passe comment? Non, si c'est 1-1, c'est Antoine qui se met tout nu. Comment il se dédouane? Non, il y a des prolongations, ça se passe France comment perdait. Si la France perdait, il n'y a pas de prolongation, on est en phase de groupe. Ça sera un match nul, tout simplement. D'accord. Donc ça sera assez mal barré parce que la Roumanie c'est quand même pas l'équipe la plus costaud. Ouais, c'est pas, ça sera peut-être pas cette année qu'on sera nouveau. On l'a été champion d'Europe, oui, en 2000. Non, 98 c'est la Coupe du Monde, et champion du monde, et ouais, c'est ça. Oui. Ah là 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 là. Comment se ridiculiser devant des millions de téléspectateurs. Mais c'est ça quoi, en plus c'était l'époque où on avait. En foot. C'est pas grave, on te pardonne Antoine. Je ne suis pas très bonne en foot non plus. Tant mieux. Mais moi, de toute manière, du coup, je suis copain avec toutes les nanas qui sont toutes pleines spirituelles, voilà, et qui s'en foutent du foot. Ah, toi, c'est bien. Tu restes avec les foot. Voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie à deux balles. Mais tu vois, c'est marrant. Alors attends, on va faire une petite trêve là-dessus sur le foot. C'est assez drôle de voir le nombre de gens qui n'aiment pas le foot et qui mélangent un peu tout. C'est-à-dire que quand les gens n'aiment pas le foot, en général, ils n'aiment pas le foot parce qu'ils voient l'argent, ils voient les scandales de sexe et de machin, de sex tape. Mais ils ont toujours oublié, la plupart des gens qui n'aiment pas le foot ont toujours oublié que ça reste un sport de base et que la plupart des gens qui aiment le foot, ils en ont rien à foutre de l'argent, ils en ont rien à foutre des sex tapes. C'est juste le sport qui les intéresse. Alors, c'est assez drôle de voir que les gens qui aiment le foot, c'est pour le sport en lui-même. Et les gens qui n'aiment pas le foot, c'est pas à cause du sport. C'est juste à cause de l'argent. Alors, il y a une espèce de rapport. Je suis pas d'accord. Bah, quand même. Moi, je préfère le rugby, je suis désolé. Non, je trouve que le foot. Entre préférer le rugby. Ouais. Et dire que le foot c'est de la merde, il y a une différence. Aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a quand même beaucoup de gens qui disent. Le foot, c'est nul. Il y a des joueurs qui courent sur le terrain après un ballon, alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est un peu catastrophique. En termes d'ouverture d'esprit, je trouve ça catastrophique. Et c'est assez drôle de voir des gens réagir comme ça sur le foot. Et c'est les mêmes qui vont te mettre des vidéos où il y a des gens qui vont sauver des gens, enfin des trucs un peu plus sympas, des messages de paix et tout, alors que c'est même pas du tout ce qui véhicule c'est quel foot. Enfin, c'est un mélange de tout et n'importe quoi. Ah, mais attends, il y a tout, il y a de boire à manger. Je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Par exemple, moi, mon chéri, il suit le foot et je vais pas dénigrer le foot. J'étais là en 98. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, moi, personnellement, il y a d'autres sports qui me plaisent plus. Tu vois, je vais te dire, je préfère mille fois le tennis au foot. Mais bon, après, je pense qu'il y a des goûts et des couleurs pour
pour tout le monde. J'aimais par exemple suivre Tony Estanguet pour le kayak. Voilà, ah, après, je trouve chacun son. J'aimais bien suivre Tony Estanguet parce qu'il était bien foutu. Ça peut jouer, mais alors tu me diras si tu penses à cette théorie-là. Hein, ça voudrait dire que je suivrais le foot parce qu'il y a des mecs super bien foutus. Eh ben non, ils sont dans le rugby. Non, mais bon, voilà. Non, j'aime bien le tennis féminin aussi. Hein. Ça n'empêche pas. T'as vu Serena quand même la branlée qu'elle s'est prise en finale. Ouais, je pense que Serena, parce que pour moi c'est pas une femme, donc Serena, oui, elle s'est pris une bonne branlée. En même temps, je pense que l'espagnol. Si. Pour moi, la théorie de Serena Williams, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Il y a des signes, les amis. Il y a des signes. Alors, est-ce que tu ne te bases que sur la physiologie ou est-ce que tu... Je me base sur... que de la physiologie. Il n'y a pas que de la physiologie. Bien évidemment, il y a les épaules, il y a les doigts, puisque vous savez que les hommes ont un doigt plus long que les femmes et vice-versa. oui, mais ça c'est prouvé. J'ai une question. Attends, Valério, si c'était qu'un facteur, tu pourrais te dire, ouais, attends, c'est qu'un facteur, ça peut arriver. Mais comme tu en prends plusieurs et que tu t'aperçois qu'en fait, le papa disait « De toute façon, moi, j'avais fait un programme. J'avais programmé ces enfants que j'ai plus ou moins formaté hein, pour qu'ils deviennent des gens connus et célèbres et qui gagnent des matchs de tennis. C'est sûr qu'avec un homme, ce sera plus facile qu'avec une femme. Aujourd'hui, dans le dopage, il y a eu des histoires de femmes qui sont devenues hommes et il faut savoir que les Russes disent quand même que Serena n'est pas une femme et que c'est un homme. Il se sont fait charrier plusieurs fois. Tu sais, il y a eu le même scandale sur. Ouais, mais il y a toujours la rivalité russe et américaine. Ah non, mais oui, mais non. Mais et non, on a eu le même scandale sur Amélie Mauresmo, la pauvre. Non, Mauresmo, c'est une femme, ça se voit. Mauresmo, ça se voit que c'est une femme. Je suis désolée, Mauresmo, ça se voit que c'est une femme. Je suis pas d'accord. Écoute, en tant qu'homme, j'ai eu des suspects. Non, mais Serena, oui, elle a perdu, mais de toute façon, l'Espagnol est en train de monter et elle est en train de monter en puissance. Moi, je la vois bien cartonner ces prochaines années, ouais. Ça sera le Nadal au féminin, en fait. D'accord, ils sont forts, c'est l'Espagnol. Ouais, bon, en tout cas, voilà, on déconne sur le foot, mais personnellement, tu sais que je tiens un aveu, Valério. Oui. Le foot, j'ai horreur de le regarder à la télé, ça tu l'as bien compris. Mais par contre, j'adorais y jouer et j'étais arrière central pendant très très longtemps. Ah ouais. Et ouais, on dirait vraiment ça. Comme quoi, tu vois. Bah, tu vois, moi je suis pas au foot, mais j'adore. Enfin, j'adore. J'adore regarder les matchs importants, c'est-à-dire que les matchs amicaux, je m'en fous. Enfin bref, on va pas parler de foot. On repasse sur la grille. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était la petite minute détente sportive. Mais là, on l'a commencé. On n'était pas passé à l'Angers, là. On est passé non, à parce que, on est revenu. Parce que sur cette grille, il y a quand même deux, trois choses encore à voir. Allez, je commence par la fin. Il y a une nouvelle émission de Jean-Michel Raoult. Ça se passe dimanche. Pour une fois qu'on a une émission le dimanche en dehors de Miasme. C'est Académie avancée des Jedi, donc je pouvais pas ne pas passer à côté de cette émission. Moi, apprendre et développer ses pouvoirs de Jedi, voilà. Jean-Michel, que la force soit avec toi et qu'elle y reste, c'est son expression. Et j'adorerais que les pouvoirs de Jedi existent réellement. Une autre émission, c'est sur Nuria TV avec Franck Morin sur les phénomènes aériens non identifiés. Les vies menaces, etc. Donc une émission passionnante. Et je voulais finir sur cette émission-ci. C'est la mélodie de l'âme de José Robichaud. Eh bien, José Robichaud qu'on a reçu et qui va nous expliquer exactement ce qu'elle entend par la mélodie de l'âme. Tu vas voir, Claire, grosso modo, elle a des flashs médiumniques. De deux façons différentes. Elle perçoit la chanson de quelqu'un et derrière, elle a aussi une image qui lui arrive. Allez, magnifique. Ah, c'est magnifique parce que moi, j'ai une amie qui m'a fait un tableau de mon aura. Elle peint l'aura. Mm-hmm. Et ben, en fait, ce qu'on oublie, c'est que en fait, tout est fréquence. Donc, nous émettons, en fait, notre énergie, notre âme émet une fréquence. Comme vous savez, la NASA a mis le son des planètes et notamment le son de la Terre. Et bien, ce qu'elle en perçoit, c'est la musique que nous émettons. C'est très beau. C'est ça. Et moi, effectivement, je connaissais ces médiums
qui peignait effectivement les âmes, etc. J'en avais vu quelques expos, mais c'était la première fois que j'entends parler d'une médium qui perçoit la musicalité de l'âme. C'est génial. Bonjour José Robichaud. J'allais dire bonsoir, mais comme tu as 5 heures de moins, toi c'est plutôt bonjour. Oui, exactement, il est 15h40 ici. comment vas-tu? Oui, ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va très bien, ça me fait plaisir de te recevoir, parce que je t'avoue que ça fait plusieurs fois que je vois des émissions à toi passer sur la chaîne de... alors, je ne sais pas si tu diffuses sur le canal de Laure et Nadia. Oui, puis j'ai mon propre canal aussi, entre ciel et terre, mais canal entre ciel et terre, oui, mais je diffuse beaucoup dans la télé des copains avec Laure et Nadia. D'accord. Ah oui, entre ciel et terre, c'est ton canal à toi aussi. Oui, ça, c'est mon canal personnel. Ok, ben, tu vois, on en apprend tous les jours. Et donc, du coup, je me suis à plusieurs reprises demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette mélodie de l'âme, voilà, et puis on a eu l'occasion d'être mis en contact, on va dire plus ou moins avec Laure et Nadia, mais suite à mon passage sur son édito la semaine dernière, et pour le coup, tu m'as envoyé une musique de l'âme. Alors avant que je diffuse le petit extrait de ce que tu m'as envoyé, parle-nous un petit peu de toi, voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi la musique de l'âme? Comment ça t'est venu? Est-ce que ça chante en toi depuis des années? Voilà. Dis-nous tout. Ben moi, je crois que ça chante en moi depuis toujours. Je me souviens du plus loin que je peux me souvenir que j'entendais des mélodies, puis je m'amusais toujours à les chantonner, mais pas sérieusement. Tu vois, comme... Moi, je crois que, comme moi, je suis enseignante de musique depuis 19 ans. Puis les enfants entendent aussi, là. Certains enfants entendent. J'ai un fils de 4 ans, puis je suis pas mal sûre qu'il entend aussi. Parfois, il s'amuse à composer. Ben, je crois que tout le monde qui compose, ça vient d'à quelque part, ça c'est sûr et certain. On n'invente rien, on n'invente pas la roue, on n'invente pas la musique non plus. Puis ce que j'ai fait, ben, comment ça a commencé? Eh bien, en 2003, j'ai commencé à méditer. Puis, dans les rêves, tranquillement, je me suis rappelée d'une scène, exemple, comme j'entendais une cloche sonner, puis ça faisait une mélodie. Quand je me suis réveillée le matin, avec mon clavier, j'ai joué, je me suis enregistrée. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai fait des berceuses pour enfants. D'accord. Et aussi, de fil en aiguille, j'ai apporté ça à l'école. Puis j'ai composé de la musique pour les enfants aussi. Comme exemple, non à l'intimidation, de la musique pour l'environnement aussi. À l'école, j'apprends avec plaisir, je prépare mon avenir. En tout cas, j'en ai fait beaucoup. Puis, plus je me pratique, plus j'entends, plus je la sors de moi pour la mettre sur papier ou je l'enregistre, plus j'en entends. C'est comme plus on en fait, plus j'en reçois. Plus j'en donne, plus j'en reçois. Puis parfois, comme avec toi justement, quand tu as fait l'édito avec Laure et Nadia, Laure et Nadia a dit « Est-ce que tu as déjà eu une mélodie de l'âme de José? » Puis tu as dit « Non. » Puis là, tout de suite, ensuite, après, j'ai reçu, ça a peut-être pris, 30 secondes. Et puis là, tu peux le raconter si tu veux. en instantané, ça t'est venu. Eh bien, écoute, moi, ce que je propose pour que nos auditeurs puissent se faire une petite idée, je vais aller la connecter, cette musique de l'âme. Mais quand même, la question, pendant que je fais cette liaison, pourquoi est-ce que du coup, tu appelles ça musique de l'âme? Parce que ce n'est pas finalement qu'une petite musique qui vient à l'esprit. C'est plus profond que ça. OK. Oui, c'est plus profond que ça. Je découvre au fur et à mesure mon don, finalement, c'est ça. Plus je communique à quelqu'un, je lui partage ce que j'ai entendu pour elle. Ce que je fais, justement, je regarde la photo et il me vient une mélodie. Je partage la mélodie avec la personne et la personne me dit « Oh, ça me rappelle, je reviens dans mon passé, là où j'étais tout petite avec mon frère, ma sœur et tout ça. » Et ça vient tout de suite toucher leur cœur. La plupart qui me répondent me disent que ça les fait pleurer,
Il y a quelque chose qui est très profond. D'accord. Peu à peu, je me suis aussi aperçue comme, ben, comme avec toi, où qui c'était aussi, c'était dans une vie antérieure. Je décrivais exactement ce que la personne... Ah oui, c'est ça. Il y en a une personne qui m'avait demandé de faire une musique de l'âme. J'ai dit OK, j'ai regardé la photo. Et ce qui m'est venu aussi, je m'amuse à chanter des paroles qui sont ni en français ni en anglais, qui appellent, il y en a certains qui appellent ça des langages galactiques. C'est un parler qui n'a pas de langue finalement, c'est de la source probablement, je ne sais pas, comme je dis, je découvre au fur et à mesure. Et ça ressemblait du japonais, de ce que la personne m'a dit ensuite, parce que je demande toujours le ressenti. Mm-hmm. Et puis aussi, je communique aussi, je partage aussi ce qui me vient en image. Quand j'entends la musique, c'est comme un film. C'est comme un film que je vois, puis je partage, puis... C'est pas mal toujours cette chose-là. Puis, alors, comme avec toi, c'est ce qui est arrivé. Ouais, ben écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on allez, on écoute déjà ces 40 secondes, ce qui t'est venu lorsque... Oui, puis juste un petit instant, juste pour finir, ouais. le monsieur qui m'avait demandé, la personne, c'est qu'il est passionné du Japon. Puis moi, j'avais vu une enceinte du Japon, justement. C'est quand j'ai fait la chanson, je crois que j'allais sur ma chaîne canal Entre ciel et terre. Vous pouvez l'entendre aussi. OK, allez-y. Ouais, donc tu n'étais pas tombée au hasard. Et bien là, pour le coup, vous allez voir, elle n'est pas tombée non plus au hasard. Allez, je vous passe son morceau. Voilà. Alors, à la première écoute, comme ça, c'est vrai que c'est très, ça fait très quelque chose qui se passe dans un palais ou dans un... Ça fait un petit peu médiéval, on va dire. Et toi, l'image que tu as eue, c'était quoi à ce moment-là? Ben, je t'ai vu, toi, habillée comme autant, je t'ai dit, tu ressemblais comme un troubadour. Je ne sais pas si je mélange des images ou des époques, mais en tout cas, j'ai vu comme l'entrée du roi arriver dans son palais. Et toi, tu avais l'air comme quelqu'un qui était en charge des musiciens. Puis aussi, ce qui m'est venu aujourd'hui, parce que j'ai pensé à toi aussi, que probablement aussi tu composais, parce que j'ai eu d'autres mélodies aujourd'hui. Je savais que j'allais te parler tantôt, aujourd'hui, comme là. Puis, il m'est venu d'autres mélodies pour toi. Comme quoi, une personne n'a pas seulement une mélodie. Je crois que dans la mélodie, il y a un message. Demain, je peux en avoir une autre. Ou dans 5 minutes, je peux en avoir une autre. Parce que c'est peut-être pas un langage français comme on parle, mais c'est un langage musical que l'âme comprend. C'est pour ça que j'ai appelé ça la mélodie de l'âme, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment au-delà de l'humain. Bon, donc je reviens à toi. Je t'ai vu, puis c'était une genre de trompette avec un grand tube, là, puis ça faisait comme ça, puis c'était l'arrivée du roi, Effectivement, ça s'appelle une buzine, en fait, cette trompette-là, et ce sont des trompettes qui étaient utilisées, voilà, avec des oriflammes, etc., pour annoncer l'arrivée de personnalités, de princes, etc. Alors, donc, du coup, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça correspond à quelque chose, est-ce que ça, voilà, ça fait appel à quelque chose en moi? Effectivement, moi, j'ai deux passions, hein, j'ai la musique et l'époque, bizarrement, l'époque médiévale ou l'époque aussi héroïque fantasy. Donc, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que ça peut tomber juste, effectivement, ça correspond en tout cas à deux de mes passions. Maintenant, donc, est-ce que c'est une vie antérieure que tu as vue de moi, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, il y a quand même un deuxième élément, c'est que ce week-end-là,
J'étais en train de travailler sur un montage, un enregistrement que j'ai fait de quelqu'un qui s'appelle Luc Arbogast, qui est un chanteur français médiéviste. Alors pour ceux qui le connaissent en France, je vais faire un petit partage. Vous allez de suite le reconnaître. Et pour avoir de ces musiques, voilà, vous tapez Luc Arbogast sur YouTube. Donc voilà, c'est le chanteur médiéviste par excellence en France. Et donc justement, j'étais en train de travailler sur le montage d'un enregistrement que j'ai fait avec lui. Et j'avais d'ailleurs j'étais un petit peu préoccupé parce que j'avais des soucis par rapport à un logiciel de montage qui a été gentiment planté par la mise à jour de Windows 10 qui s'est faite sans mon consentement. Mais ça, c'est pour la petite parenthèse. Merci. Monsieur Windows. Donc, est-ce que c'est ça que tu as ressenti à ce moment-là, parce que c'était une préoccupation du moment, comme c'est de la musique de l'âme, c'est du correctif que tu fais. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça pouvait très bien tomber sur l'une ou sur l'autre. Et donc après, tu as eu aussi une musique qui t'est venue en tête, plus par rapport à moi, mais par rapport à l'émission Miasme TV, c'est ça? Oui, le lendemain soir. Puis c'est drôle parce que je remarque que c'est quand j'ai les mains dans l'eau, quand je prends une douche ou c'est avec l'eau. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce que je regarde, là, je te regarde pas, je regarde, il y a une fenêtre en arrière de mon portable et puis c'est la mer. Donc, je dois avoir vraiment une connexion avec l'eau. Quand je reçois, je sais l'eau a quelque chose, là. De particulier avec ça. Justement, c'est que j'avais les mains dans l'eau et il y a une mélodie qui m'est venue, puis je t'ai demandé voir si... J'ai été voir les émissions que tu fais, puis j'ai vu qu'il y avait déjà une introduction rock dans... assez rock, effectivement. Assez mais rock, moi, pesant. Je vais quand même faire écouter à nos auditeurs, spectateurs, ce que ça donne, parce que c'est très sympa aussi. C'est moi qui ai fait une fausse manœuvre, voilà. Je l'ai un peu arrêté un peu abruptement, désolé. Alors, c'est vrai qu'à la première écoute, c'est ce que je t'ai dit, ça faisait un peu funky, je trouvais ça bizarre. Puis à la deuxième écoute, finalement, j'ai adoré. C'est très frais, c'est très, ça donne le peps. Et je ne te cache pas que si j'ai une émission, une nouvelle émission qui se crée, il y a de fortes chances que j'utilise en générique, parce que ça donne bien la... Voilà, c'est très sympa, en tout cas. Donc, finalement, pour revenir à toi, toi, du coup, tu as des émissions. Alors, je sais que sur la télé de Norénadia, tu en as une le premier mardi du mois ou le 2 du mois, je sais. Le 2, là. À chaque 2 du mois, ce que je fais un soin collectif gratuit, musical. C'est Norénadia qui m'avait donné l'idée. Elle m'avait dit... prends les 7 chakras et mets l'intention du premier chakra. Qu'est-ce qui pourrait te venir comme mélodie? Mais fais ça comme de... J'ai un piano juste à côté de moi, je suis encore à l'école. Le do, comme... Puis là, je partage, là, je demande. Parce que le premier chakra, ça correspond à la note do. Et le deuxième ré, tu dois savoir ça aussi, j'imagine. Ah ouais, tout à fait. Non, écoute, je n'avais jamais fait l'analogie le lien entre les deux. Mm-hmm. Mais c'est vrai que s'il y a 7 chakras, la gamme est composée de 7 notes, pourquoi pas? Oui. Donc, je mets l'attention. Je dis OK, on passe au do. OK. Puis là, je partais, je faisais une mélodie. Puis ce que j'ai mis dans mon vidéo, c'est le chakra, le premier chakra rouge, ensuite orange, ensuite jaune, vert, bleu, tout ça. Puis c'est de do, ré, mi, fa, sol, la, si, qui dure à environ 10 minutes. Je ne voulais pas que ce soit trop long parce que la première fois que je l'avais fait, c'était comme 40 minutes. Là, je me suis dit non, je le ferai assez court. Puis ça suit bien. Puis
C'est ça, je fais ça toutes les deux du mois sur la télé des copains. Sur la télé des copains, tout à fait. Oui. Et tu as aussi du coup une émission, c'est la semaine prochaine. Allez, on va à nouveau partager. Donc, c'est la mosaïque de miastream.com hein, sur la page programme. Donc, sur les programmes du 13 au 19 juin, donc de la semaine prochaine. Ton émission, elle est ici. C'est la mélodie de l'âme. Allez, on va aller la voir. Donc, c'est le vendredi 17 juin. C'est sur. C'est directement sur YouTube. Alors, en fait, comment ça se passe? Parce que là, je vois qu'il y a un tirage au sort. Donc, les gens t'envoient sur Facebook. Là, j'ai mis le lien de l'événement Facebook. Ils t'envoient leur nom. Et comment ça se passe? Explique-nous. J'essaie aussi avec le nom, sans la photo. Je capte aussi l'énergie du nom. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de cliquer « j'aime ». Donc, si j'ai 15 « j'aime », ensuite, je fais un tirage au sort de 5 personnes. Et le 17 à minuit, votre heure, je mets le compte-rendu des 5 personnes. Je donne le nom. Vous ne me voyez pas, là, je donne le nom de la personne. Ensuite, je fais la mélodie. Je donne le deuxième nom de la deuxième personne. Ensuite, ainsi de suite. D'accord. Tu fais la mélodie en direct? Non, c'est je la fais avant, d'accord. Je l'enregistre et je mets en ligne à minuit le 17 juin. D'accord. Toutes les 17, oui, à toutes les 17. Je ne sais pas si vous me comprenez avec mon accent. Oui. Très, très bien. Je ne viens pas de la France. Puis de toute manière, il paraît que les Canadiens n'ont plus d'accent lorsqu'ils se mettent à chanter. Je ne sais pas si c'est vrai pour toi. Ah oui, c'est vrai. Hein. Mm-hmm. C'est vrai aussi pour toi, c'est drôle ça. Ça m'a toujours fait rire. Oui, très bizarre. Donc, du coup, voilà, on peut te retrouver donc, sur ta chaîne YouTube le 17. On peut te retrouver tous les deux du mois sur la télé, le canal de la chez télé des copains. Mais... des copains. Oui, toujours. Et si finalement quelqu'un. Est-ce que tu acceptes les sollicitations, on va dire? Si quelqu'un aimerait. Avoir une mélodie de l'âme. Avoir une mélodie. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe que vous pouvez aller sur mon site qui est www.melodiedelame.jimdo.com et là j'ai toutes sortes de choix de boutiques de CD que j'ai fait. Il y a même des choses gratuites pédagogiques parce que je suis enseignante de musique, donc vous pouvez aller explorer mon site avec plaisir. D'accord. Bah, écoute, je mettrai le lien du site là juste en dessous, comme ça les gens pourront retrouver l'adresse exacte. Bon, bah, écoute, José, je pense qu'on a fait un joli petit tour d'horizon de ce que tu fais. T'as des projets de prévus après pour la suite, en dehors de ces émissions-là? Oui, oh mon Dieu, j'en ai. Avec Lorena Dia, peut-être en septembre. Là, je crois que pour l'été, on va tous se reposer. Puis en septembre, on a des projets d'émission. J'aurais aussi un projet de faire un CD justement de langage. Ce qui m'était venu en méditation, ça pourrait s'appeler comme émergence, champ de lumière pour la nouvelle terre. En tout cas, quelque chose comme ça, parce que je m'étais fait dire par Yvan Poirier, je ne sais pas si le connais, il m'avait dit... Je lui avais demandé pourquoi je suis dans une école, pourquoi je ne fais pas juste de la composition. Puis il m'avait dit, tu fais de la musique pour les nouveaux enfants, il faut qu'ils entendent cette musique-là. Il faut qu'ils entendent parce qu'ils vont la reconnaître, ils vont l'aimer. Ils ont besoin de ça pour rester qui ils sont réellement. D'accord. Donc, j'ai plein de projets qui s'en viennent. Un CD aussi que je veux faire à l'école. J'ai toujours des idées, c'est ma passion. J'ai vraiment trouvé la mission sur Terre. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire là. Bon, au moins, tu es une chanceuse parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent et qui ne trouvent pas toute leur vie. Ouais, j'ai trouvé. C'est vachement bien. Et juste une petite question technique sur les fréquences musicales, la musique en 340 Hz, je crois, ou 332, je ne sais plus. Là, 432. J'en ai fait, j'ai fait un CD, justement, mes berceuses pour enfants, je les ai mis toutes à 432. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas, c'est les fréquences 432, c'est au niveau du cœur, tandis que 440, c'est au niveau du mental, j'imagine que tu sais. C'est tellement intéressant, je ne connaissais pas ça, mais quand j'ai connu ça, je me suis dit, vraiment dans le ressenti, tu le ressens, hein?
c'est vraiment pas la même chose. Ouais. Et toi, quand tu vocalises, tu arrives à moduler ta fréquence? Ben justement, quand je vocalise, j'essaie de garder comme la tienne. Admettons, c'était en... Je me souviens pas, c'était... Je crois que c'était en sol ou quelque chose comme ça. J'essaie toujours de ce que j'entends comme note, je la garde. Donc, j'arrive avec... Je fais ça avec mon iPad, puis j'ai iPad, probablement vous dites. Et puis, j'essaie de... Et des fois, je suis un petit peu moins... Jamais plus. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne suis pas sur, vraiment sur le sol 440. Je fais peut-être 432 sans m'en rendre compte. D'accord. Comprends-tu? Je suis juste comme entre les deux. OK. Ça fait que le corps comprend, je crois. Mm-hmm. OK. Bon, en tout cas, je te remercie de nous avoir fait ce petit tour d'horizon. Mais c'est voilà, moi c'est, qui te remercie. C'est intéressant. Donc, moi, je vous invite tous à... Mais dès que vous voyez José apparaître dans la grille... Connectez-vous sur ces émissions, voilà, c'est vraiment sympa. Et puis, moi, je m'écoute en boucle, hein. J'aime bien hein, les deux petites musiques que tu m'as envoyées. Tu en as même réorchestré une et je la passerai en générique de fin de l'émission. Voilà. En tout cas, José, je te remercie. Et je te dis à très bientôt et puis une belle continuation. Oh, merci beaucoup. Donc, voilà, donc c'était José Robichaud. Alors, pendant qu'on regardait l'entretien, Claire, finalement, m'a dit qu'elle avait à peu près la même vision. Donc vas-y, on t'écoute Claire, si tu veux le partager. Oui, je vais te dire la vision que j'ai vue une cour au Moyen-Âge avec des gens danser et c'était où il y avait ces voix à côté et puis il y avait ce... Bah, alors, je n'ai pas vu le troubadour, mais je voyais vraiment les gens, le côté festif et c'est exactement ce que je percevais. Et tu m'as du coup dit que bah, c'était ça. Bah, oui. Alors, est-ce que du coup, ça, c'est pour toi, parce qu'en définitive, ouais. José, elle est, même si elle perçoit ses musiques depuis quelques temps, mm-hmm. Elle découvre aussi sa médiumnité, donc pour le moment, ça l'intéresse d'avoir des retours et de voir les retours qui effectivement fonctionnent. Donc ouais. Là, pour le coup, ça fonctionnait. Donc, mm-hmm. La question, c'était de savoir, est-ce que pour toi, ce serait vraiment une image qu'elle a captée d'une de mes vies antérieures? Ou est-ce que c'est plutôt, comme je l'explique dans le documentaire, quoi, dans l'entretien, mm-hmm. Au même moment, quand elle a eu son flash, moi, au même moment, j'étais un petit peu préoccupé par un enregistrement que j'ai fait la semaine dernière de Luc Arbogast, qui est un chanteur médiéviste français. Mm-hmm. Et j'ai des soucis d'enregistrement avec mon outil de montage vidéo à cause de l'upgrade de Windows 10. Voilà. Et alors, voilà, je ne sais pas trop si c'était... Non, c'est une perception d'une image que tu as vraiment vécue dans tes vies antérieures. En fait, tu sais, toutes nos vies antérieures ont une fréquence bien particulière. C'est-à-dire qu'en fait, dans ton corps karmique, tu as tous tes dossiers avec une fréquence bien particulière, puisque ta date de naissance, ton nom et ton prénom de cette époque, créent un espèce de code-barre, et ça te crée une correspondance unique. Voilà, et je pense qu'elle a capté cette image de cette vie antérieure où en effet tu as été un troubadour, un amuseur, mais tu as souvent été quelqu'un qui était dans le divertissement dans les incarnations passées. Donc elle a perçu cette fréquence. Ce qui a fait que cette vie-là est remontée plus que d'autres, c'est qu'en effet, certainement Luc Arbogast, comme il est dans le médiéval, bah, la première incarnation qu'elle a vue et la première image, donc cette première fréquence qu'elle a pu percevoir de toi, c'était ça. D'accord. Parce que donc, tout a un lien de causalité. Bien sûr. Ok, bah, c'est très drôle. En tout cas, moi qui rêvais d'être un grand chevalier sur mon épée avec un coup de maille, tout. Voilà, je suis qu'un bouffon. Voilà, moi, je te rappelle que moi je suis un assassin. Entre tueur en série ou bouffon, je sais pas, j'hésite. J'hésite encore. En tout cas, c'est vrai que. C'est ce que je disais, moi ça me parle beaucoup, je suis passionné et de musique et d'époque médiévale, donc je suis pas étonné par ces visions. En tout cas, voilà, si vous voulez retrouver José et ce qu'elle fait, vous allez sur sa chaîne YouTube et vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire son truc, même si à première écoute, on se dit tiens, c'est un petit peu bizarre, puis quand vous réécoutez cette musique, après, elle s'accroche et vraiment c'est génial. Ok, ben Valerio, tu sais quoi, on va passer à l'agenda. Alors, notre agenda du 13 au 19 juin.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez parler en particulier? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder cet agenda? Allez, on commence par mardi, mardi 14. Je crois que c'est l'une des dernières conférences de Jacques Grimaud. Il passe à Bordeaux à 19h30 pour sa conférence « La philosophie des anciens, apprentissage par les emblèmes et le jeu de tarot ». Donc voilà. Alors on avait reçu, Patrice Marty pour son fameux voyage du 14 au 21 juin. Valério, tu t'en rappelles? Tu as parlé de quoi? Ah ouais. On a parlé de quoi? On a parlé de beaucoup de choses. Avec Patrice Marty, on a parlé de... Go! Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'on va avoir le pied nu de Claire Thomas, c'est pas grave, c'est une compensation. Et voilà, 2-1 pour la France à la 88e minute, un magnifique but de Dimitri Payet, le français qui est là. Hein, plus, un Dimitri en plus, il n'est pas roumain. Oh là là, quelle attaque. Et ouais. Bon, allez, de belle frappe à hauteur des 16 mètres en pleine lucarne, c'est magnifique. Donc on disait Patrice Marty, on avait parlé de beaucoup de choses. On avait parlé des pyramides de Bosnie, on avait parlé de ses voyages initiatiques, et puis on avait parlé. Mais je crois qu'on avait déjà pas mal quand on avait parlé. C'est ça. En fait, voilà, son prochain voyage, c'est en Bosnie du 14 au 21. Les visites des pyramides de Bosnie avec Sam Usmanagić. Je ne sais pas s'il reste. On avait également parlé de sa conférence aux rencontres Mystères Inexpliquées 2, notamment les artefacts. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit extrait vidéo de cette conférence sur le site. Ok. Ensuite, ça va plus te parler peut-être, Claire. Le salon de la voyance et de la médiumnité de Carquefou. Il y en a plein des salons de voyance et médiumnité. Moi, j'en ai fait, c'est très prenant, très intéressant. Mais je ne connaissais pas celui-ci, vois-tu. Écoute, je l'ai découvert aussi, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Et à noter qu'il y a la présence de Pascal Lafargue. Vous connaissez avec Pascal? Ouais, j'ai eu la chance de la rencontrer pendant la première des mystères inexpliqués de BTLV. C'était quand même des belles conférences. Il y avait vraiment eu des gens très intéressants. Et ça, encore une fois, sur Bob, on peut pas lui reprocher. C'est quand même des gens de qualité qui l'invitent. Et Pascal, c'est son histoire sur son travail, parce qu'elle, c'est un travail titanesque. Moi, j'ai parfois eu de la chance d'avoir tout de suite la personne dans le livre que je suis en train d'écrire. Bah voilà, j'ai retrouvé l'incarnation de Faraday. Mais elle fait vraiment une enquête. C'est du temps, hein. Ça lui prend énormément de temps pour faire son travail et c'est du travail aussi de qualité. Oui, c'est ça, parce qu'en définitive, Pascal, presque, elle a du mal à croire à ce qu'elle voit, et il faut presque qu'elle aille le confronter avec une enquête terrain, et puis à chaque fois, elle le vérifie, et c'est ça qui est cinglé, quoi, c'est que à chaque fois, ça tombe juste. Oui, quand je dis c'est cinglé, ça ne l'est pas, on le sait bien. c'est assez impressionnant. En tout cas, ouais. Voilà, si vous avez l'occasion de la suivre. Je vous conseille de suivre ces enquêtes. Alors, on parlait eh bien effectivement du premier salon des mystères inexpliqués. Eh bien, le troisième, ça se passe vendredi et samedi prochain. Donc là, les places sont à 50%. Il les fait à 50€ par jour. Donc, mais vous retrouverez entre Margret, hein, que tu as reçu cette semaine, Claire. Ouais, Margret, ouais. Elisabeth de Caligny, Anne Tufigo. Egon Kragel, je crois, aussi. Jacques Grimaud, aussi. Jacques Grimaud, oui, tout à fait. Plein de gens. Patrick Blanc, on a reçu. Il y a beaucoup de gens qu'on a vus chez BTLV qui reviennent. Moi, j'ai quand même le gros regret de ne pas y être cette année. Merci, mon taf, hein, de m'avoir mis une formation le samedi. Merci beaucoup. Alors, vendredi, pardon. Écoute, Valério, vu que tu n'y es pas, ouais, dis-moi. Vu que tu n'y es pas, est-ce qu'on pourrait pas lancer un petit jeu concours pour un de nos auditeurs, des spectateurs, parce que tu as une place finalement. Vu que tu as pris l'abonnement, je pense pas.
Bien sûr que oui, Non, parce que si elle est nominatif. Mais si elle est nominatif. Ah, écoute, on va s'arranger avec Bob. Je pense que ça peut le faire. Est-ce que tu n'as pas envie qu'on fasse un petit jeu concours? On peut le faire, mais alors moi, parce que là, tu annonces ça comme ça sans en parler. On peut le faire, mais ça ne dérange pas. Par contre, vu que c'est nominatif, il faut l'accord de BTLV. Et ça, je t'invite à te débrouiller avec BTLV. Hein. Allez. Parce qu'en fait, j'ai la place que j'ai, c'est parce que je suis un abonné Premium Plus. Du coup, j'ai reçu une place. Mais ouais, tu vois, avec BTLV. Hein. Écoute, on va essayer de s'arranger avec Bob. Alors, ce qu'on va faire, on va lancer quand même un petit jeu concours, mais c'est complètement improvisé, hein. C'était pas du tout prévu cette histoire. Je vais lancer le petit jeu concours. C'est sous réserve que effectivement on puisse donner la place nominative de Valerio à quelqu'un d'autre. Eh bien, écoutez, celui qui va gagner, ça va être le premier qui va nous envoyer l'heure, minute exacte du deuxième but de la France quand Valerio s'exclame. Voilà. Donc le premier qui envoie, qui envoie ça, qui écrit ça, ben, en commentaire sous cette vidéo, eh bien après il prend contact avec nous et on essaye de s'arranger pour qu'il puisse bénéficier de la place. Non, c'est qu'une seule journée pour une seule personne, de Valérie. C'est ça. Bon, ne sois pas déçu, Claire. C'est pas aujourd'hui que tu me verras tout nu. La France vient de gagner 2-1 face à la Roumanie. Je rappelle les buts d'Olivier Giroud et de Dimitri Payet pour la France et le but sur penalty de je ne sais plus quel Romain. Bon, voilà. Sois pas trop déçu. Je suis déçu, là. Ah. Bon, je vais demander d'être remboursé. Non, c'est pas grave, je m'en mets. Une autre fois, ouais. On s'en rend. Ouais. Ouais. Il va y avoir d'autres matchs, malheureusement. Je suis pas sûr que la France gagne tous ses matchs. Bon, on a peut-être un espoir, alors. Il y a peut-être encore l'espoir. Allez, on continue sur cet agenda de la semaine. Donc, il y a Frédéric Lenoir, le fameux qui va faire une conférence à Saint-Antoine-l'Abbé avec l'association Planétaire. Et on avait reçu, je ne sais pas si vous vous rappelez, Didier de Mistral TV qui va ensuite faire la captation. Sûrement 5 minutes avec toi. Enfin, chanter le Mistral gagnant, Mistral TV. Ouais, on avait bien compris. Donc il va sûrement filmer la conférence et en faire un montage pour ensuite la diffuser sur Mistral TV. Dès que ça sera diffusé, on le mettra en ligne. Et enfin, on en a parlé avec Quentin, alors pas enfin, puisqu'il reste encore deux autres. On a parlé avec Quentin, c'est le début donc du festival du solstice d'été 2016 qui commence donc le 18 au 22 juin avec plusieurs conférenciers, dont Quentin dimanche prochain. Crystal Célébration, tiens Claire, est-ce que ça te parle? Célébration du solstice d'été de la Terre-Mère au château de Fonjouan. Non, mais je découvre. Atelier, concert, rituel, cérémonie, chamanisme, crâne de cristal. Et je ne connais pas toutes ces personnes, donc tu me fais découvrir. Mais, si, tu vas peut-être connaître Franck Nabé. Ça me dit quelque chose, mais... C'est un musicien qui est, on va dire, assez connu. Moi, je le vois souvent, au moins en affiche. Et il a des morceaux qui sont plutôt pas mal. D'accord. C'est un musicien que j'aime bien, Franck Labbé. Bon, voilà. Donc, ça se passe les 19 et 20 juin. Et c'est en Sologne. En Sologne, voilà, près de la Sologne. Il y a les championnats de France d'équitation en Sologne. Mais maintenant, bien sûr, je ne trouve plus le nom du bled. Qu'importe. Ouais, non, pas Quimper. Des coups comme ça, c'est... Non, c'est pas Quimper, ça c'est sûr. Ensuite, allez, le dernier, c'est le fast food. Valerio, tu nous en parles. Ça se passe à Paris, c'est dimanche prochain. Avec Gaieté Lyrique. Qu'est-ce que c'est que le fast food? Le Fast Food, un événement solidaire, culturel et culinaire, c'est de 11h à 18h, tu l'as dit, c'est à Paris. C'est organisé par Action contre la faim. Donc il y aura des food trucks, il y aura un marché, il y aura des tables, des ateliers.
des projections photographiques et des showcases, etc., etc. Accès gratuit et atelier sur inscription. Voilà. Ok. Et donc, l'objectif de ce... Il y a même un concert de Indie Zarag et autres, au tarif de 15 euros. Okay. Ouais. Indie Zarag, je ne connais pas. En tout cas, c'est organisé par l'association Action contre la faim. Donc, tous les... ou une partie des dons seront reversés à cette association. Voilà. Okay. Donc, participez-y. Hein, et, ou si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez aussi participer d'une autre façon. Mais voilà, on a fait le tour de cet agenda de la semaine. Je vous propose de passer à la presse. Hop, presse du mois de juin. À quand de la presse people, je te le demande. Alors, je le mets à l'affiche, mais du coup, c'est un peu couillon parce que je ne l'ai pas encore mis sur le site. Donc, je vais vous le présenter en direct live dès que je vais me revoir à l'image. C'est le dernier numéro de Complot et Dossiers Secrets. La Troisième Guerre mondiale, un plan des Illuminati pour dominer le monde. Complot et Dossiers Secrets, je ne connaissais pas ce magazine. Ah bah je découvre. Écoute. Complot et dossier secret. Intéressant. C'est ça. Numéro 31. C'est numéro 31. Donc c'est un trimestriel. Donc tu vois, il existe quand même depuis plusieurs dizaines d'années. Alors très rapidement, parce que c'est toujours pareil, on achète des magazines et puis ils s'entassent, on n'a pas le temps de les lire. Le sommaire du magazine, 4 dossiers d'investigation. Donc l'effondrement économique global, est-ce qu'il est pour bientôt? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Les États-Unis sombrent-ils dans le fascisme avec Donald Trump? Bah oui. On peut dire que peut-être. Voilà. L'ascension de Donald Trump, est-ce qu'elle est comparable à celle d'Hitler à son époque? Oh, c'est quand même. C'est un peu lourd, c'est mais. Lourd. C'est lourd, là. C'est un peu lourd, mais on peut dire que c'est quelqu'un qui a la main sur beaucoup de choses. Je pourrais plutôt le mettre un peu à l'état de Berlusconi, si tu veux, si je devais le comparer à quelqu'un. Quand tu l'as comparé à qui Berlusconi. Ah, Berlusconi, d'accord. Le plus grand mafieux. Oui, parce qu'il était dans les médias, il était dans les médias aussi. Enfin, c'est un peu le Berlusconi des États-Unis, on va dire. Ouais, mais Berlusconi, il a rien fait de bien méchant. Il s'est surtout enrichi lui-même, on va dire. Il s'est fait plaisir. Mais tu sais. Je pense qu'il y en a beaucoup, des Donald Trump, ils pensent fou du peuple. Hein. Voilà. On va pas croire que... C'est... Enfin, voilà. Moi, je pense qu'ils sont fous royalement. Je pense aussi. D'ailleurs, ils nous ont mis une belle photo. Hein. Celle-ci. Elle est belle, celle-ci, là. Oh là là, voilà. Ils l'ont recherché. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. On a envie de voter pour lui. Oui, franchement, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce mec... Moi, d'un côté, je l'aime bien parce qu'il casse un peu les codes aux États-Unis, un peu trop lisse. Moi, j'en ai marre des Clinton et des compagnies. Si on va se taper Hillary Clinton, bah ouais, c'est génial, quoi. Sauf qu'on a dit avec son mari, on a toujours les mêmes. Là, ouais, il y a un autre gars qui arrive, il a peut-être un pet au casque. Mais est-ce qu'il est plus dangereux ou moins dangereux que les autres? Je ne pense pas, sincèrement. Au contraire, s'il peut faire chier le monde, ah bah pourquoi pas, au pire, hein, de toute façon, dans l'état où on est... J'aime bien. Au pire, dans l'état honnête, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est donc, mon petit côté anarchiste me dit ouais, ce serait pas mal que ce soit Trump qui passe. Hein. Au moins, ça mettrait un gros bordel dans le monde et ça changerait peut-être plein de choses. Mais bon, quand même, il emploie quand même des termes bien anti. Peut-être pas antisémites, mais en tout cas bien racistes vis-à-vis des musulmans. Moi, je sais pas s'il est vraiment raciste parce que le mec a quand même compris passer par la communication. On est bien d'accord. Qu'importe qu'il soit raciste ou qu'il joue au raciste pour, on est d'accord. Mais le résultat reste le même, c'est-à-dire que prôner l'extermination, que ça soit d'une race, que ça soit d'une religion, que ça soit d'une idée, ça reste de l'eugénisme. C'est horrible. Je pense que j'ai fait les prédictions 2016 où j'ai vu que Donald Trump allait passer. Je m'en réjouis pas du tout. J'espère que j'ai faux. Parce que j'ai des fois où je me dis j'espère que j'ai faux.
parce que je pense franchement, même si on est d'accord, Clinton, il y a eu le mari, on aura la femme, bon, on a eu Bush, on a eu le père, on aura le fils. Je pense quand même qu'elle serait plus policée, peut-être qu'elle essaiera plus de penser aux intérêts des États-Unis que Donald Trump. Oula, je suis pas sûr. Hein. Je pense que Trump, c'est un terrible homme d'affaires et je pense qu'il est bien mieux placé, plus compétent pour défendre les intérêts des États-Unis. Alors, ok, d'accord. Alors, je me suis mal exprimée. De défendre l'intérêt de la planète et pas de se rentrer en guerre contre Poutine ou de... Voilà. Voilà, moi je pense que ce sera un mec hyper manipulable dans ce cas-là. De toute façon, tous les présidents américains le sont. Il y a les grandes banques qui sont derrière, donc c'est encore quelqu'un qui se pliera aux intérêts des États-Unis. Donc ça veut dire que ça tend à se dire que c'est un mec qui va foutre le bordel avec les autres pays. Hein. Il ne faut pas s'attendre alors à quelque chose de joyeux à ce niveau-là. Voilà. Mais moi, je pense pas. Parce qu'en tant qu'homme d'affaires, tu sais que quand tu veux avoir de l'argent, le seul truc qui est chiant, qu'il ne faut surtout pas faire, c'est foutre le bordel. Tu veux faire de l'argent, il faut rester calme, il ne faut pas, surtout pas refaire des guerres, des trucs. Non, c'est quand tu es un homme d'affaires et que tu veux fructifier, c'est avoir une belle guerre. Diviser pour mieux régner. Tu mets une guerre, tu t'investis dans l'armement, tu t'investis dans la reconstruction, tu t'investis dans plein de choses. Ouais. Quand il ne se passe rien. C'est un peu le marasme. Non, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Sauf qu'il n'y a pas que la guerre, hein, il faut arrêter. Il n'y a pas que les militaires qui créent de l'argent. Il y a d'autres moyens industriels pour créer de l'argent. On a choisi l'armée parce que c'est plus simple, parce qu'on le contrôle. Mais peut-être qu'il y a d'autres moyens, mais il faut juste y penser en fait. En fait, le problème c'est ça, c'est que comme ils contrôlent tout et que l'armée contrôle tout, on prend l'armée pour faire de la thune et c'est facile à faire. Sauf que non, il y a d'autres moyens, mais sauf qu'on veut que passer par là. Moi, je suis pas sûr. Moi, je mets un bémol. Moi, je mettrais une pièce sur Trump. Moi, je mets. Mais... De toute façon, j'ai prédit Trump, mais j'aimerais que ce ne soit pas lui qui passe. Moi perso, ça sera Clinton pour deux choses. Déjà, avoir à la tête d'une très grande puissance une femme, voir si elle fera mieux que les hommes. Ouais. Alors là, excuse-moi, on a quand même Merkel en Allemagne. C'est quand même une très grosse puissance, les Allemands. Si tu veux voir une tête, une femme à la tête d'un très grand pays. Chez les Anglais, ça avait fonctionné. Hein, chez les Anglais, je ne sais plus comment elle s'appelait. Parce que ce qu'elle a fait, Thatcher. Ouais. Bah, ça n'a pas été forcément apprécié, bon. Mais c'était... Entre Thatcher et Merkel, le bilan n'est pas ouf. Hein. c'est vrai. Vous pensez qu'à elle, mais il y a d'autres femmes quand même qui ont été au pouvoir. Je vais en Norvège, en Suède. De la présidente du Brésil, là, qui vient de se faire. Allez, bon, hey, mec, ça c'est du machisme. Non, je suis pas d'accord. Non, moi c'est surtout parce qu'elle a promis quand même de faire la divulgation sur les dossiers OVNI. Ouais. On sait très bien qu'elle ne tiendra pas ses promesses. Mais. Alors. Mais c'est ça, les politiciens. C'est ça qui est. C'est, oui. T'as vu ce que tu es en train de prôner? Tu sais qu'elle va te mentir. Mais tu veux voter quand même. Mais c'est ouf. Mais je veux vérifier, mais je veux être. Voilà, en fait, c'est ça. C'est, je veux être sûr ou pas. Je me dis peut-être que c'est comme c'est une femme, elle tiendra ses promesses par rapport aux hommes. Et là, on verra qu'ils sont tous pareils. J'en suis quasi persuadé. Mais je laisse encore une chance au produit, on ne sait jamais. Ouais. Et puis bon. Entre la peste et le choléra. On va vous divulguer la vérité sur Roswell. En fait, c'était un avion qui est tombé, un prototype, voilà. Et là, t'auras gagné quoi? T'auras gagné une présidente qui t'aura rien révélé puisqu'elle ne saura rien. Non, je pense pas que. Enfin, aujourd'hui, les dossiers OVNI commencent à sortir. Les choses se. Regarde, le premier ministre, l'ancien premier ministre canadien. Les dossiers OVNI sont en train de sortir. Moi, j'attends un dossier. OVNI sur PFM TV, ITélé, LCI. Mais ils s'en foutent, ils veulent pas de ça. Mais pour l'instant, jamais de temps. Ils vont dire que c'est du bullshit. Ah, mais d'accord. Mais pour l'instant, c'est eux qui maîtrisent tout ça, toutes ces infos. Mais bien sûr, mais ils veulent pas te révéler des choses qui sont vraies, toi. Tu crois que la presse dit des choses vraies, toi. Bah t'es bien seul. Pour l'instant, c'est eux qui maîtrisent ça. Donc on a avoir des gens comme ça. Pour l'instant, heureusement qu'aujourd'hui il y a Internet, parce qu'on a la possibilité de parler, justement, comme l'a dit Quentin Leplat tout à l'heure, des unités métriques
apparemment, bon, il y a plein de choses qu'on découvre apparemment et qui ne sont pas forcément dans les grands médias. Aujourd'hui, les grands médias sont tellement maîtrisés que de toute façon, quand tu parles des ouais. ovnis, tu vas sur Canal+, tu vois ce que fait Antoine Decaune ouais, hein. et c'est discrédité. Justement, tu cites bien Canal+. Ouais. Sauf que je vous rappelle que nous, on est entre nous, on se tient au courant de ce qui se dit à droite à gauche. Mais je vous rappelle qu'il y a toute une part de la population et nous sommes une très petite minorité. Quand tu sors, quand il y a des gens la plupart des gens ne s'intéressent pas à tous ces sujets. Et ils regardent quoi comme médias? Ils regardent BFM, Canal+, TF1, iTélé. Et tous ces gens-là sont même pas au courant, ils savent même pas ce que se définir un ufologue. Le problème, c'est que c'est pas qu'ils, ça les intéresse pas, puisqu'ils regardent X-Files, donc c'est faux. C'est pas que ça les intéresse pas, c'est que. Tout le monde ne regarde pas X-Files, hein. Non, mais beaucoup, Fringe, il y en a eu des séries qui ont cartonné, qui ont été sur la science-fiction. Oui, mais les gens regardent ça pour faire pour l'intrigue. Pour se divertir et l'intrigue. Mais, il y en a qui y croient quand tu regardes. Quand tu fais un petit sondage sur X-Files, il y a quand même des gens qui se disent, ouais, mais ça peut être possible. C'est pas non plus. Je pense que c'est pas le problème, c'est que aujourd'hui, de toute façon, les gens veulent voir ce qu'on leur, aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est ce que on devrait dire aux autres de regarder. C'est-à-dire, voilà, on te propose un programme télé, tu dois regarder ça. Et du coup, quand t'es dans ton métro boulot dodo, bah quand j'étais petite, bah on regardait le programme du dimanche à la télé, et puis voilà. Et à un moment, quand tu deviens conscient, tu t'ouvres à plein de choses et tu te poses des questions. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, tu ne te poses pas de ces questions. Mais ces gens qui ne se posent pas de questions, c'est qu'on leur offre la possibilité de ne pas s'en poser. C'est tellement mieux de ne pas se poser de questions ou de savoir comment va Nabila, ils ne se posent pas de questions, ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas s'en poser. Elle va pas bien. Je l'ai vu en interview, Nabila. Vraiment, elle va pas bien. Écoute, Claire demande comment va Nabila. Ah voilà, donc elle répond. Voilà, elle regrette d'avoir poignardé son amant. Voilà. C'est la merde, quoi. Non, mais moi, je suis désolé qu'on propose pas aux gens de sourire, c'est une chose. Mais il y a une chose qui s'appelle le libre arbitre. Et on peut. C'est un peu ce que je disais on va s'éloigner un peu du sujet, mais pas totalement. Mais quand on parlait avec Margret la semaine dernière du couple reptilien qui contrôlerait la planète, ou je sais plus trop ce que c'était exactement. Ouais, ouais. Et moi, à un moment donné, je lui ai dit à Marc, j'ai dit bon, ok, on est contrôlé, on est manipulé, on est un peu ceci, on est un peu cela, mais à un moment donné, on peut pas juste se remettre en question nous-mêmes avant d'aller dire c'est les politiciens, c'est les reptiliens, c'est les petits gris, c'est les trucs, les machins. Mais, à un moment donné, on a le libre arbitre. Les gens, ils veulent regarder Nabila, ils regardent Nabila. Si après ils sont dans la merde, c'est à eux d'assumer. Mais je suis totalement d'accord avec et toi. Pour l'instant, les gens, on l'ont pas compris ça, et il y en a. Je dirais que... Je travaille en restauration rapide et je vois les générations des 18-17 ans qui arrivent, ils sont pas du tout dans ce délire-là. Hein. Ils sont encore à 17 ans, la génération qui arrive sont dans Nabila et conneries et patati patata. Hein. Moi, je rencontre des gens de 17 ans qui se posent des questions. Alors, tu vois, c'est pour ça que, en fait, est-ce que c'est des gens que tu rencontres dans ton milieu ou c'est des gens que tu rencontres dans un autre milieu? Dans d'autres milieux parfois. Il y a de tout en fait. Nous sommes un panel. Donc quand tu parles de libre arbitre, je suis d'accord d'une certaine. Il faut se responsabiliser. Il faut pas dire ouais c'est la faute des reptiliens, c'est la faute des machins, c'est la faute. Parce que dans ce cas-là, tu te dédouanes en fait et du coup tu te rends plus responsable. Ça, je suis totalement d'accord avec toi et je te suis. Vraiment sur ce point. Après, je pense que quand même, on est manipulé et qu'à un moment, c'est. En fait, tu sais, moi, quand je travaille à énergie, franchement, grosse société et tout, je pensais réellement qu'en fait, les gens, quand ils allaient au boulot, il n'y avait personne dans les rues. Tu vois, dans ma tête, j'étais persuadée que tout le monde allait au travail et dans les rues, il n'y avait personne. Quand je me suis arrêtée et que je me suis mis en. Voilà, j'ai eu ma rupture conventionnelle et que voilà, je me suis à un moment un peu posée quand même, soufflée. J'ai vu qu'il y avait des gens dans les rues, quoi. Je me suis dit, putain, mais il y a autre chose, quoi. Et en fait, c'est que on est tellement matraqué, faut bosser, faut faire ci, faut faire ça, que à un moment, tu sais, tu te déconnectes de tout. Tu sais, tu te déconnectes, tu vis dans tes métro boulot d'auto, surtout sur Paris, qui est une énergie de travail. Hein. Moi, j'ai vécu sur Paris, j'ai pendant 35 ans, et j'ai décidé de quitter Paris parce que c'est l'énergie de travail. Donc,
À un moment, tu ne réfléchis plus. Qu'est-ce que tu veux faire le soir? Tu veux te reposer, tu veux te mettre devant ta télé, tu regardes ton programme. Moi, j'ai arrêté la télé il y a 10 ans parce qu'en fait, je me suis dit, mais finalement, je peux m'en passer et ça ne me manquera pas. Et c'est vrai, ça ne m'a pas manqué. Or, bien sûr, de temps en temps, je suis un peu déconnectée, mais je regarde Google Actu, Facebook aujourd'hui, maintenant, j'ai des infos. Mais voilà, mais il y a un peu de tout. Il y a des deux. Je pense qu'il y a une part, à un moment où tu dois te réveiller, tu dois prendre conscience, tu dois te responsabiliser, c'est vrai. Mais il y a quand même une partie où on nous manipule. Les deux sont, pour moi, les deux théories se rejoignent. En fait. Okay. Donc, tout ça pour dire, votez Clinton. Pardon. Voilà. Non, voilà, pas Trump, c'est pas possible. Même pour rire. C'est juste pas possible. Moi, on verra. Écoute, on verra. De toute façon, on ne votera pas, on n'est pas américain. Donc, ah oui, merde, je n'ai pas américain. On s'en fout. Un peu. I speak very well. I can voter. Yes, of course. En parlant de président américain, on va conclure comme ça sur la partie presse. J'avais lu dans, je ne sais plus dans quel top secret, c'est pas le dernier, ça va être l'avant-dernier. Sur la partie Kennedy, visiblement, il y aurait, Bush, le père Bush, qui aurait été mêlé au complot Kennedy. Et il aurait été d'ailleurs arrêté en train de sortir de l'immeuble où, logiquement, Oswald aurait tiré sa balle. Et il aurait été intercepté par un flic. Arrêté, amené au poste et relâché de suite après. Voilà. Et ça, c'est juste une toute petite histoire dans la grande histoire dont personne n'a entendu parler. Voilà, moi, j'ai découvert ça dans le dernier Top Secret. C'est véritablement historique. Et puis, bon, voilà, est-ce que ça explique l'ascension de certaines grandes familles au plus grand poste aux États-Unis? Je ne sais pas. Voilà. Bon, c'était juste pour faire le mot de la fin sur la partie presse, et puis bientôt le mot de la fin sur l'émission, parce qu'on en est arrivé au terme. Sur la partie KKBB, on essaiera de s'y attarder un peu plus la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va recevoir en invité qui va venir nous présenter son actualité, Damien. Voilà. Donc après Quentin Leplat, ouais. On va continuer dans l'archéologie. Mystérieuse, et il va venir nous présenter son film documentaire qu'il est en train de finir de tourner. Qui s'appelle, rappelle-moi. Sur la route des dieux ou quelque chose comme ça, je n'ai plus en tête, du coup je te laisse le chercher. Claire, juste pour encore 5-10 minutes max pour finir l'émission. L'autre terre des dieux. L'autre terre des dieux, merci. Ton projet de rentrée. Projet de rentrée. Oui. On va faire des débats sur toutes les chaînes, vu que le premier a été un succès et qu'on s'est dit que c'était quand même bien aussi de le faire partager sur les autres chaînes. On va avoir de nouvelles têtes chez l'animateur. Là, il y a des nouvelles têtes qui sont en train de se dessiner. On va essayer aussi de continuer à proposer des reportages. J'avais quelqu'un qui a pris un peu de retard, mais qui est en train de travailler sur des reportages pour CTVM TV. Et on est en train de travailler sur un futur studio où on pourra faire des interviews en studio. Voilà. Sur Toulouse ? Pas sur Toulouse, sur Paris, à côté de Paris. Voilà, je crois que c'est déjà des beaux projets. C'est quand la crémaillère? Ah, bah ça, je te dirai. Mais c'est des beaux projets. Je suis très contente que CTVM TV se développe petit à petit. Je pense qu'il faut prendre son temps. On a vécu des moments un petit peu compliqués pour la mise en place des ateliers qui s'est bien réglé. Voilà, et puis je suis très contente du développement des chaînes et des intervenants qui maintenant nous font confiance, avec lesquels on va travailler sur une année avec eux. Donc c'est plutôt bon signe. Bon, en tout cas, donc la saison 2 est prometteuse. Alors, je ne me rappelle plus, tu nous en avais parlé la dernière fois, il y a une coupure cet été où il y aura quand même toujours quelques petites émissions? Il y aura quelques émissions, bah là c'est déjà un peu plus light, et il y aura quand même quelques émissions. Voilà, c'est chacun en fonction de leur créneau, et puis on fera une grande émission de rentrée en septembre. On fera un petit point juste avec Mathieu en fin du mois pour parler justement, de faire le petit bilan, parler des nouveautés. Donc là, tu as eu un peu des exclus,
Donc pour sur CTVM TV, pour justement aussi laisser les auditeurs poser leurs questions sur l'avancée du projet. En tout cas, on a eu des dons et ça, je remercie les gens qui nous ont aidés. Et c'est bien parce que ça nous soutient dans un projet où on a peu de moyens, hein, c'est pareil. Et j'ai envie en fait d'investir petit à petit pour que ça se construise, voilà, finalement, sans grand budget, et puis que ça se mette en place avec les moyens, mais que ça soit fait avec le cœur, comme tu disais, je pense que c'est important. C'est un projet qui nous tient à cœur, et j'ai envie vraiment de créer un projet collaboratif. Comme Sandrine Ashka, qui fait 2 vidéos par mois, là, depuis ce mois-ci, j'ai envie d'avoir des gens qui soient dans la collaboration, on échange, on, en fait, on n'est pas dans, voilà, sa chaîne spirituelle, on n'est pas là pour se manger, mais plutôt se faire avancer, d'où aussi l'idée des débats, voilà. Ok, bon, en tout cas, voilà, c'est prometteur, c'est bien, moi je souhaite que vous continuiez très longtemps, parce que je considère que ce que vous faites, c'est de qualité. Le fait qu'il y ait plusieurs chaînes thématiques, moi je trouve ça très bien, parce qu'il y en a pour tout le monde. On rappelle que vous recrutez une animatrice ou un animateur, pourquoi pas, pour la chaîne beauté et relaxation. Et relaxation, ok. <Ouais. rire> et puis voilà, et puis on est tous bénévoles, alors, plus ou moins, même si au bout d'un moment l'objectif effectivement pour vous c'est de vous professionnaliser, mais ne serait-ce que pour acheter du matériel, pour acheter un studio, quoi, pour louer un studio, voilà, plutôt pour vous proposer quelque chose de qualité, et l'intérêt c'est, voilà, c'est que vous puissiez continuer à apprendre et puis à vous développer et à grandir en spiritualité, en sagesse. Voilà. Oui, comme Miasme, maintenant que vous avez le logo, c'est bien, tu vas pouvoir me l'envoyer. Cool. Ouais, ça sera fait. En tout cas, Claire, je te remercie pour ta venue. Merci, eh bien, toi. Valerio, c'est dommage. C'est dommage. On t'a pas vu, toi. Non, ouais. C'est dommage. Ouais. Mais bon, ça sera une prochaine fois. On lancera le défi. Et puis on vous tient au courant, hein, par rapport ça à. Ça va mal finir cette histoire, ça c'est va. Clair. Par rapport on à la. On va mettre un logo moins de 18. Ah, ce serait chouette. Voilà. Puis on vous tient au courant par rapport à la place de Valerio. Participez quand même à ce petit jeu, hein, qui est complètement improvisé. Et puis je vais faire en sorte que on puisse vous distribuer cette place pour qu'elle ne soit pas perdue pour tout le monde. Allez, écoutez, à bientôt, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ciao. nous recevons qui? Patrice, Lauren Nadia. Eh oui, Lauren Nadia qui revient nous voir. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Ciao tout le monde. Ciao.